Weston de Lebukar Sharabash. Lève-toi, mon fils. Merci, homme de guerre. Je t'en prie, mon fils. Nous sommes là pour libérer le peuple. Parce que le diable bloque la destinée de plusieurs personnes. Seul le diable est notre ennemi. Nous ne pouvons lui montrer aucune pitié. Car nous nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes protégés quoi qu'il nous arrive. Le diable doit souffrir pour qu'un monde nouveau ne brille. Nous sommes des super vainqueurs. Peu importe le problème. Assure-toi que tout le monde soit intact dans cette grande cage. Oui, homme de guerre. Sa sainteté, tu les as liés dans une cage? Oui, je les ai liés dans une cage. Parce que je suis en plein travail spirituel pour Ichie Wayuwaya. Je veux transférer leur destinée en faveur de Ichie Wayuwaya. C'est pourquoi ils sont dans cette cage. Plus ils souffrent, plus Ichie Wayuwaya est gracié. Et plus notre argent va croître. Tu peux le dire encore. Makaneke Wanweke. Les dons nous ont été donnés. Homme de Dieu, devrais-je aller maintenant? Oui. Libère-les de cette cage et prépare-les. Parce que leur heure est venue. Stop! Ratesi Boyabarash! Rabacheteri Boyashaba! Écoute-moi. Je t'assure que personne ne le saura. Ton mari ne le saura pas. Tu es membre de mon église. Alors ils pensent que nous sommes en train de faire une relation d'église. C'est vrai que je suis un homme de Dieu. Le problème, c'est que j'ai des besoins aussi. Je suis un homme de guerre, mais aussi un être humain. J'ai du sang dans mon corps entier. Homme de guerre. Si tu le dis alors, vous savez que j'aime mon mari. Je l'aime. Et c'est à cause de lui et de ma famille, raison pour laquelle je ne peux pas. Je sais bien que tu aimes ton mari. Je ne veux pas le perdre. Et surtout que je ne veux pas faire ce que tu sais de me demander. Écoutez, pourquoi est-ce que vous sonnez comme si vous aviez tué quelqu'un? Vous voulez que votre mari prospère, n'est-ce pas? Oui, homme de guerre. Je suis un homme de guerre. Le plus grand prophète de cette génération. Je bénis qui je veux bénir et je tue et détruis tout celui que je veux détruire. J'ai le pouvoir sur tout et je domine sur absolument toute chose, moi. Est-ce que vous me comprenez? Donc faire l'amour avec moi va transférer l'amour que j'ai pour vous pour que je puisse le transférer à votre mari. Est-ce que vous comprenez ça? Je n'ai pas envie de briser votre foyer. Personne ne saura ce qu'on fait. Comme je vous l'ai dit, vous m'aidez, je vous aide. C'est pour votre bien. School of Bosch, Rassin the Wolf. Amandinata no bodo makanani nanolu. Udamandinata no bodo makanani nanolu. Nikki, n'ose surtout pas dire que ce 50 000 naira sont pour notre profit. Ces 50 000 naira, c'est l'argent que l'esprit va percevoir et donner à Satan 50 coups de fouet. Pour que tout soit normal et que tous tes problèmes trouvent des solutions. J'espère que tu le sais bien. En fait, cela n'est pas un problème. Si j'aurais vraiment ce que je veux maintenant, cela n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème du tout. Tu as dit que l'homme s'appelle Sego. Oui. Oui, il est vraiment très riche. Très riche. Il est du genre d'homme de Malaisie. Tu vois, il fait toutes choses pour moi. Mais je veux qu'il soit tout à moi. Tu sais, je veux qu'il soit à moi et à moi seul. Nikki, tu es au bon endroit. Merci. Ceci est le sanctuaire des solutions à tous les problèmes. Hey. Une fois que tu verras la reine à l'intérieur, chaque petite demande sera résolue. Alors, quand est-ce que je verrai la reine? Calme-toi juste un petit peu, il y a des gens à l'intérieur. Quand ils sortiront, tu pourras entrer. Merci beaucoup. Ne t'en fais pas, oui. Je ne me suis pas trompée. Exact. Je suis en train de voir... Je suis en train de voir jeune fille, tout ce dont tu es en train de prendre soin devient une très lourde charge sur ta tête. Mais qu'est-ce que tu as fait?
rien. Qu'est-ce que tu as fait? Quand je te regarde, je vois une bande noire couverte sur ton visage. Moi, je vois un corps. Je vois une vieille femme avec un visage très en colère. Qu'est-ce que tu les as fait? Qu'est-ce que tu les as fait? Et pourquoi ils te détestent tant? Pourquoi? Pourquoi? Oh mon Dieu, ça ce n'est pas très bon. Ah, Idioma, je t'ai pris comme ma propre sœur. J'ai été vaincue. Mais c'était spécialement à propos de Idioma, ma colocatrice. Je savais qu'elle ne voulait pas me voir rester dans cette ville. Elle ne voulait même pas de mon progrès. Et regarde ce qu'elle essayait de me faire. Oh mon Dieu. Et j'ose même croire qu'elle était contre mon mariage avec Sonny. Il allait me proposer la semaine passée. Oui. Je t'ai entendu. Sonny qui venait de Jamni. Oui, exactement. Est-ce que tu me l'as dit? Non. Est-ce que je le connais? Non. Mais je vis Sonny. Je le vis en Jasni. Et il t'avait proposé de vous embrasser la fois passée. Aïe. Tout ceci est vraiment assez. L'être puissante, s'il te plaît. Vous devez juste m'aider. Le travail est vraiment. Mais je suis prête à faire n'importe quoi. C'est vraiment. C'est dur. Je ne peux pas perdre Sonny. Je ne peux pas. Tu ne peux pas. Le travail est si dur. On doit faire quelque chose immédiatement. S'il vous plaît, nous devons vraiment. Parce que si on ne le fait pas immédiatement. Aïe. Je vois Sonny. Oui, je vois Sonny se marier à Idioma. Que Dieu le pardonne. Nous devons vraiment trouver une solution. Amen. Peu importe, cela t'écoutera. Je te le répète. Cela doit avoir une solution. Amen. Je sais quoi faire. Je dois lui mettre quelque chose. Oui, oui. Mais tu dois donner un peu d'argent. Je donnerai n'importe quoi. Un peu d'argent, juste un peu d'argent. Achetons quelques matériels qui peuvent faire l'affaire. Est-ce que tu me comprends très bien? Juste quelque chose pour rendre ton spirituel très clair. Alors nous pourrons lever cette bande qui couvre ton visage. Le travail est vraiment difficile. Appelez le 4 êtres vivants. Oh, le 24 veillard. Il doit venir à ton secours. 200 500 ira. Juste ça. 200 000. Oh là, juste ça. C'est vraiment beaucoup. Tu penses que nous blaguons ici? Hein? Je peux même donner la moitié de cet argent. Je peux même te donner la moitié. Tu le fais brûler ta bouche. Est-ce que je te demande l'argent? Non. As-tu perdu la tête? Est-ce que suis-je en train de mendier l'argent? Je suis vraiment occupée. Ce travail n'est pas un travail léger. C'est seulement moi qui dois bien le faire et trouver une solution. Si tu ne t'aimes pas toi-même, reste là et gaspille ton temps. J'ai tant de choses à faire avec ton temps. Et maintenant, dégage. Si tu veux toi-même vivre avec ces problèmes, alors réjouis-toi toi-même. Si tu veux te sauver toi-même, alors reviens. J'ai tant d'autres personnes à recevoir ce soir. J'ai tant de personnes qui ont des sérieux problèmes. Aïe. Je n'ai pas le temps. Aïe. Je suis le plus grand prophète de cette génération. L'unique prophète. L'homme de guerre. C'est l'heure de la purification. C'est ici que vous allez recevoir les bénédictions d'en haut. Dès maintenant. Béni sois-tu, mon fils. Béni sois-tu, mon cher fils. Sois béni, mon fils. Va et réussis. Va et prospère. Tu seras riche dans ce bas monde. Tu seras prospère sous ce soleil, mon fils. Va et réussis, mon fils. Va et prospère, mon cher enfant. Va de gloire en gloire, mon cher enfant. Réussis, mon fils. Oui. Drabosi Korea Maché Gerbe. Je te bénis, mon fils. Je te nettoie, je te bénis, mon fils. Je te purifie. Aucun mal ne t'arrivera, que tout ce mal s'éloigne de toi. Sois béni, mon fils. Je te purifie encore, mon fils. Tes péchés sont lavés, mon fils. Pour de bon, lève-toi. Oui, vas-y. Lève-toi, mon fils. Oui, vas-y. Ifanye, mais sois béni, mon enfant. Sois béni, sanctifié, purifié. Béni sois-tu, ma chère fille. Je veux que tu prospères, ma fille. Je veux que tu sois heureuse, ma fille. Sois bénie.
Sois purifié. Tu seras marié à un mari milliardaire. Peu importe ce que tu voudras, il le fera pour toi. Il sera comme ton esclave et fera absolument tout ce que tu lui demanderas de faire. Je te purifie, ma fille. Sois purifiée, ma fille. Que tout ce que tu feras puisse réussir, ma chère fille. Sois purifiée, ma fille. Que cet esprit te quitte. Sois purifiée. Rateche bere bouti burakaba. Ribobo shangeri debe. Radadaïda. Sois béni. Votre destinée vient d'être transférée chez Ijien Waya Waya, alors vous n'avez pas besoin de tout cet argent. Je récupère tout. Mon enfant, je te bénis, je te purifie. Pars! Que tout te soit favorable. Aïe. N'osez pas me sous-estimer, non! Randeshi Boyabara! Nigo Sharaba! Kendebara! Gobiaish! Wandezemo! Ekulo Aleke! Saint-Esprit, accompagne-moi! Oui! Tu fus un grand chanteur, mais aucun succès. Tu veux un album, n'est-ce pas, mon fils? Sois sans crainte. Par les pouvoirs qui me sont conférés en tant que l'oracle de Dieu, je te donne une belle voix. Tu chanteras et les gens seront éblouis. Tu chanteras et tes chants seront vendus. Tu chanteras et le peuple va jubiler. Pars et prospère. Sois béni indéfiniment, mon fils. Sois béni, mon fils. Va chanter. Chante, mon enfant. Je te bénis. Je te purifie. Partout d'où vient l'échec, que ce soit du côté de ton père, ou du côté de ta mère, du côté de tes voisins, du côté de tes amis, ou même d'une femme. Sabrabash, Zouzobash, Sabrabash, Rouzobash, reçois. Hey, je suis en train de voir, je vois. Jeune femme, jusqu'à là je me pose trop de questions, mais je ne sais toujours pas ce que tu cherches. Tu t'es rencontré avec cet homme. Il t'aime beaucoup. Et il te donne toutes choses. Il fait tout pour toi. Et qu'est-ce que tu cherches d'autre? Reine. Je veux que son nom soit écrit sur ma hanche. Je veux avoir le contrôle de sa vie et de tout ce qu'il lui possède. Je veux être au sommet de sa vie. Ma reine, je veux que vous me donniez quelque chose de très fort. Qui me permettra de le faire tomber. Qu'il fasse tout à ma faveur. Aïe! Maintenant, tu viens de dire le vrai problème. Si j'ai bien compris, tu veux qu'il te loue. Oui, qu'il se prosterne devant aïe, moi. Aïe! J'étais bien entendu. Ok. Ton travail est vraiment trop lourd. Ton travail est vraiment un travail très sérieux. Mais bienvenue dans la maison des solutions. Merci. Ne te dérange surtout pas. Tout problème a une solution. Et j'ai une solution pour toi. Je le savais. Ce que je te donnerai, cela s'appelle prendre et rester. Hey. Cela fera en sorte que les hommes politiques, les hommes de haute classe, tombent définitivement. Ma reine, les affaires, c'est ce que j'ai besoin. Je veux juste contrôler sa vie, enfin sa priorité. Je t'ai entendu. Je t'ai compris. Ton travail n'est pas un travail léger. Ce n'est pas une mince affaire. Tu dois en payer un prix. Avec moi, rien n'est impossible. Je ferai quelque chose pour toi. Ton travail me prendra. Deux pleines journées et deux pleines nuits. Je travaillerai pour toi et ce travail m'écoutera sept flairs de la nuit. Sept flairs de la lune et sept flairs du soleil. Oui, mais cela coûtera un petit rien. Juste un peu. 600 500 seulement.
500 500 seulement. Aïe, je vois quelqu'un. Qui est cette fille? Je la vois en train de le suivre. Je ferai ton travail avec beaucoup d'attention. Parce que c'est vraiment difficile. Aïe! Regarde la fille qui le court après. S'ils repartent pour Malaisie, cette femme de Malaisie va prendre le dessus avant que tu partes. Ouh, je le ferai. Et je veux que nous le fassions rapidement que possible. Listen, ensemble. Confirmé. Il n'a même pas à s'inquiéter une seule seconde. Aussi longtemps que je vivrai, il sera l'homme le plus riche de cette communauté. Personne à part lui ne sera le roi. Et quand je dis personne, c'est personne. Homme de guerre, vous n'imaginez pas à quel point mon boss en sera content. Il aime trop ces genres d'assurance. Je vous dis ce qui est vrai. Dis-lui qu'on est ensemble dans ça. Oh oui, il continuera d'être riche. Je suis sûr de ça. Il continuera d'être riche. Il n'a pas à s'en faire pour ça. Il continuera de croître. Exact. Homme de guerre. Sérieusement, vous faites vraiment très bien votre travail. Régalez-vous. Vas-y, au revoir, homme de guerre. Show your face. Mon très cher assistant de guerre, j'espère que tu as fait ce qu'il faut pour que nous puissions chasser le diable qu'il y a dans son corps. Maître, vous voyez cet homme, il n'a aucune peur. Oh. Premièrement, je crois qu'on devrait d'abord commencer par le lier. Maître, est-ce que vous imaginez que cet homme est venu ici avec 17 000 lira? Maintenant, il s'attend à ce qu'on puisse donner au diable 17 coups de fouet, c'est ça? Parce que chaque fouet vaut 1000 lira. Mon frère, tu ne seras pas exaucé maintenant. Oh. Pas comme ça. Si tu veux mettre fin au diable, le frapper comme il faut, pour la façon dont il te dérange. C'est avec 50 coups. Et chaque coup de fouet vaut 1000 negra. Donc tu dois payer 50 000 negra de plus pour éliminer le diable. Voilà que tu veux utiliser 17 coups pour frapper le diable. On dirait que t'es qu'un massage. Tu veux faire un massage au diable? Non, non, vas-y, regarde-moi et dis-moi cela. Écoutez, tout le monde sait très bien que c'est 1000 negra par fouet. Pour que vous chassiez Satan, vous devez payer 50 000 negra ou bien au-delà. Et d'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez m'aller jusqu'à 200 000. Pour que, quand j'aurai fini de fouetter le diable, que tout soit parfait, vous comprenez ça? Oh, je suis vraiment désolé, moi je pensais que... Oh mon dieu, laissez les pensées pour ceux qui aiment prendre de l'alcool, c'est quoi ça à penser? Vous voulez être plus riche et plus fortuné que Ichie ou Waya Waya, mais vous ne voulez pas étendre vos mains pour faire des sacrifices. Non, vous êtes tous en compétition bien sûr. Les donneurs ne manquent jamais, en donnant, vous recevez. Si vous voulez être fortuné, vous devez donner. Si vous voulez conquérir, vous devez donner. Parce que le don attire la richesse et le succès spirituellement. Voilà ce qu'il faut faire. Je n'arrive même pas à me rappeler. Moi, je pensais même c'est que... C'est idiot encore en train de penser. Je n'ai pas ce temps. Quitte ma présence immédiatement. Partez tout de suite. Je suis prêt. S'il vous plaît, dites-moi alors ce que ça va coûter. Maintenant, tu causes. Ça va coûter comme ça, je paierai. Écoute bien si tu veux le savoir. Ce que je suis sur le point de faire est un travail spirituel. Nous travaillons contre toutes les... principauté et pouvoir. Nous travaillons contre les œuvres du ténèbre pour que je trouve une solution à toutes tes souffrances, pour que toutes puissent mourir avec le feu de Dieu. Pour que je fasse cela, tu dois faire quelque chose qui doit m'activer spirituellement. Rashkabosh. Rashkabosh.
Ne gaspillez pas mon temps. Ce que je suis sur le point de faire est bien plus grand que 5 animaux sauvages, remplis de domination. C'est bien plus grand que les militaires. C'est bien plus grand que quoi que ce soit. C'est une bataille spirituelle. Faites quelque chose qui va activer le Seigneur et faites-le très vite. Vous comprenez ça? Oui. Homme de Dieu, je. Alors, s'il vous plaît. Ça fait combien? Dites-moi tout. Combien ça va faire, dites-moi? Tout ce qu'il va falloir que je paye. Bien, là vous parlez. On a besoin de 4 noix de coco spirituelles. 4! Chacun valant 50 000 négras. J'en briserai 3 sur votre tête. Hey! Oui, alors déchirez pour Yabash. 3 seront brisés sur votre tête. Hey. Afin que je puisse purifier tout ce qui est impur dans votre corps. Hey. Et vous en briserez 1 dans un milieu public. Hey. Là où il y a la route et des passants. Vous en briserez 1 là-bas. Ah. Afin que vos ennemis s'en aillent. Amen. Floss, il nous doit combien? 33 000 mètres. Le fouettage. Nous allons fouetter le diable avec un fouettage de 1000 lira par fouet. Pour bien fouetter le diable, pour que le diable quitte vos voies, vous devez lui donner 50 fouets et au-delà. Vous avez emmené 17 000 lira. Sommes-nous en train de jouer ici? Est-ce un bébé diable? Vous allez ajouter 33 000 lira afin que nous puissions commencer par là, comprenez-vous? Alors c'est 2 fois 33. Et c'est là qu'on va commencer. Regardez-moi très bien, messieurs. Mettez-vous en question mes pouvoirs et capacités. Ai-je l'air d'un escroc? Je suis celui qu'il vous faut. Je suis au-dessus. Non, mais qu'est-ce que vous attendez? J'ai dit, donnez-moi mes 33 000 négras pour que je puisse faire mon travail. Faire ce qu'il faut pour que quand je vais travailler avec vous spirituellement, tu Itié Waya Waya puisse tomber pendant que vous allez vous élever en dignité. Ne me faites pas attendre comme ça. Faites tout ce qu'il faut. Je n'ai pas cet endroit. Et mon nom est vraiment très élevé. Aïe! Inscris ce nom dans le livre de condamné. Non. Partez d'ici. Fais tout ce qu'il y a là-bas, s'il te plaît. N'inscris pas mon nom dans le livre de condamnation, s'il te plaît. Il faut que... apporter l'argent. Itché Waya Waya, il doit tomber. Si c'est moi, je parle d'une femme, il va me la prendre. Si c'est moi, je parle d'une affaire, il va me la prendre. Mais est-ce que genre de personne comme ça? Prince, je reviens ici, tout de suite. Faites ce qu'il faut et arrêtez de crier comme ça inutilement. C'est quoi ça? Vous criez pour rien. Emmenez seulement l'argent et c'est tout. Salut beauté. Puis-je te parler un peu? Moi je m'appelle Johnson. J-Ball pour les intimes. Cette personne vient très. Oh Dieu merci. Je sais tout donner. Je ne suis pas une fausse tête. Tu es vraiment audacieux. J'aime ça. Ouais, j'en ai oui. Alors... Ok, ouvre la voiture, laisse-moi entrer. Aussi vite? Pas de tempête. Bébé, pourquoi as-tu besoin de 7000 négras au juste? Il n'y a pas longtemps, je t'ai remis 1 million de négras pour les loyers de ta famille. J'ai même payé ton shop, j'ai même payé tes marchandises qui m'ont coûté 5 millions de négras juste pour toi. Je veux dire, ok, j'avais promis que j'allais t'acheter une voiture dans peu de temps, mais pourquoi as-tu besoin de 7000 négras au juste? Oh, voyons, bébé, voyons! Je vais recommencer avec les affaires que je faisais avant que je te rencontre. Parce que là, mon fournisseur va me laisser tomber. Mon amour, tu aimerais que cela m'arrive? Non, je ne ferai pas cela. Alors, aide-moi à payer la dette de cette personne. Aide-moi à payer cet argent. Je t'ai promis que je ne te dérangerai plus pour l'argent de cette façon. Bébé, je sais ce que tu as fait pour moi. Et ce que tu continues toujours à faire pour moi. Mais je te promets qu'après tout ceci... Je te demanderai plus jamais l'argent. Je te promets, s'il te plaît. Ifa Nyeme, aïe aïe aïe, n'osez pas concurrencer avec moi. Itié Waya Waya, tu vas tomber maintenant. Oui. Ça commence maintenant. Amen. Que la grâce de Dieu te localise. Que le ciel te localise. Ainsi soit-il. Que la grâce te localise. Ainsi soit-il. Homme de guerre. Il faut aimer, puis faire moi. 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 Il faut aimer, puis faire moi.
Maître, le sacrifice est déjà tout prêt. Oh. Quel sacrifice? Adjace loco, monsieur. Tu es un idiot. Hein? Tu ne seras rien du tout. Regarde-toi, on dirait un canard. Combien de fois devrais-je te dire que je ne travaille que pour des filles célibataires, désespérément à la recherche des hommes fortunés? Hé, perte de mémoire. Pendant que ma prophétesse s'occupe des femmes mariées à la recherche des enfants, qu'est-ce qu'il y a de compliqué dans ça? Combien de fois devrais-je te dire cela? Arrête de confondre, es-tu malade? Maître, désolé, je suis vraiment désolé. Je viens maintenant de comprendre. Je viens maintenant de comprendre que vous ne vous occupez pas de ces filles célibataires qui cherchent des hommes. J'ai maintenant compris. Et pour ces femmes-là qui recherchent des bébés, je suis vraiment désolé, maître. Je suis vraiment, vraiment désolé, monsieur. Mais maître, les deux jeunes filles, elles sont prêtes pour le spirituel, oh. Dis-lui d'ouvrir grandement ses jambes. Pour moi, que le tonnerre te frappe et ta prochaine génération. Ma bogone, sois très prudent. Maître, je suis désolé. Dis-lui d'ouvrir ses jambes et proprement, et bande ses yeux. Dis-lui que les esprits, des esprits, sont là en route. Ok, maître. Merci, maître. Ma chérie, s'il te plaît, je ne vois pas la clarté dans toutes ces choses. Crois-moi, je ne comprends pas. Comment? Et pourquoi? C'est parce que je t'ai dit des choses? Oh non, bébé, ce n'est pas comme ça. Tu sais que je considère trop notre relation, mais ce que je sais de dire est que cet homme t'aime naturellement et ça ne te demande même pas de faire ça. Vous vous êtes rencontrés, cela fait juste 2 mois. Il est en train de faire tant de choses pour toi. Et même un homme qui a fait 10 ans avec une femme ne peut même pas le faire. Et alors? Non, non, et alors? Écoute, à un moment, il arrive même de contredire mes mots. Il commencera à dire de n'importe quoi aux gens. Écoute, je veux être totalement en contrôle de la vie de cet homme. Est-ce que tu me comprends? Je veux contrôler sa vie. C'est ce que je veux. De toutes les façons, je suis désolée. Tu dois juste être toi, ok? Tu iras toujours avec moi après l'avoir su ou pas. Bon, c'est n'importe. Homme de guerre. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Cette petite orpheline. Cette orpheline veut vraiment me tuer. Comment? Elle m'a dit qu'elle cherchait désespérément un enfant. Mais elle ne m'a jamais dit qu'elle souffrait d'une maladie spirituelle. Nyanika. J'ai éjaculé 3 fois, mais rien. Elle n'est toujours pas satisfaite. Anka. Elle criait ajoute, ajoute, ajoute. Mais moi, je n'en pouvais plus. Hey. Les voisins vont nous attendre. Baisse des dents. Ils vont réaliser qu'on n'est pas de. Et même, est-ce qu'un esprit peut éjaculer 3 fois? Est-ce qu'un esprit peut faire ça? Ah, tu penses qu'on utilise des batteries peut-être? S'il te plaît, je dois me reposer. Je n'ai pas envie de mourir juste à cause de ça. Un homme de guerre doit se reposer aussi. Calme-toi, laisse-moi. Je ne suis jamais allé jusque-là auparavant. Hey, je ne suis jamais allé. Je ne suis jamais allé jusque-là auparavant. Hey. Cette petite fille m'a complètement tué. Eziba, hey. Cette fille a failli me carboniser. Hey. De l'eau, de l'eau, de l'eau. Laisse-moi le prendre moi-même. Ojima. Patron. Patron. Ah. Hey. Allô? Allô, s'il te plaît, informe le manager tout de suite là. Pour la chambre 301, nous avons une urgence, s'il vous plaît, dépêchez. Ah, mon beau frère, pourquoi as-tu cette tête? Ah, mais qu'est-ce qui t'est arrivé au juste? Est-ce que tu as eu un accident ou quelque chose comme ça? Mon frère Mazo. Si tu devais être un accident, je serais très heureux. Je suis allé voir notre Yunume commun. Hein? Mais je me suis fait avoir. Comment? Maze. Je suis allé voir le spiritualiste, ce prophète, pour faire un travail spirituel avec moi, pour que j'en finisse avec Ichiwayawaya. Ils m'ont demandé d'amener 4 noms de coco. 3 qu'il faut casser de l'autre côté de l'arbre là-bas. Et 1 d'autre cassé sur ma tête. Sur ta tête? Il avait déjà cassé la première. Et quand il a cassé la deuxième sur ma tête, j'avais déjà
mal à la tête. Et le sang a commencé à couler. Avant de comprendre ce qui s'est passé, je me suis évanoui. Quand je me suis réveillé, ils m'ont dit que tous les processus étaient annulés. Parce que la troisième n'était pas cassée. Mazé, je rêvais de l'hôpital maintenant là. Où j'étais allé avoir un traitement pour ma tête. Tu vois, quand je vous dis à tous que je ne crois du tout pas en ce spiritualiste ou encore prophète, au fait, je préfère un féticheur plutôt que... Comment as-tu pu les laisser te tromper ainsi? Hein? Où sont tes sens? N'as-tu donc rien dans ta tête? Ne sais-tu pas qu'ils sont tous des escrocs? Ils te diront quelque chose qui sonne comme la vérité, juste pour te guider vers quelque chose de plus grave que ta condition. Vois seulement ce qu'il t'a fait au moins. Si je dis que tu es un zombie, tu peux croire que je t'insulte, mais tu ressembles bien à un vrai. Mazé, donc tu as osé m'appeler zombie? Non, mais tu viens de t'appeler comme ça toi-même. Mais nous sommes dansés ensemble. Toi, tu es allé voir le Dibia, et moi, je suis allé voir ses prophètes. Au fait, tu n'es pas seulement qu'un zombie, mais un zombie fou aussi. Mazé, tu m'as appelé zombie. Répète-toi que les oiseaux de même plumage volent ensemble. Hey. Moi, un zombie. Gaonesi. Oui, homme de guerre, je t'en prie. Je t'en prie, la prochaine fois, avant de m'emmener quelqu'un pour un travail spirituel, pose aussi des questions. Pose des questions, genre, bébé, quelle est ta capacité au lit? Ça, c'était une fille, Jackie? Désolé, homme de guerre. Cette femme a presque failli me vider. Plus fort, plus fort, plus fort, et j'allais mourir. Désolé, homme de guerre. La prochaine fois, demande-leur même leurs résultats médicaux. Exact. Demande leurs états médicaux pour que je ne finisse pas avec de telles maladies venant de ces filles. Homme de guerre. N'êtes-vous pas un puissant homme spirituel de Dieu maintenant? Depuis quand avez-vous peur des maladies? Tu es tellement stupide et ignorant en même temps. Es-tu malade? Désolé, homme de Dieu. Donc, en tant qu'homme de guerre, je ne peux pas attraper de maladie parce que je suis un robot. Aïe! Es-tu sûr que tu es prêt pour cette guerre? Homme de Dieu, je suis pleinement prêt, oh. Es-tu sûr que tu es prêt pour cette profession? Es-tu sûr que tu peux le faire? Oui, homme de guerre. Dépose-moi ça, j'ai besoin de plus de lait. Dépose-le ici. Ok. Femme! Oui, je suis en train de voir. Hey. Ta ange ne peut pas être féconde. Tu es l'ange qui était venu planter le bébé. Hey, l'esprit ne ment jamais. Cela dit toujours la vérité. C'est certain. Tu dis vraiment la vérité. Ça fait déjà 2 ans passés que mon mari ne me touche plus. Aïe, je pense qu'il voit une autre femme. Ou qu'elle lui donne un fils. Oh, Yanka. Ça va aller. Je pense que tu es à l'étape de l'ovulation. Oui, ma reine, oui. Yanka, look. Ça, c'est vraiment très bien. C'est très bien. Cela veut dire que ta solution est ici. C'est fini. Hey, tout est fini. Cette nuit, tu dois t'assurer que ton mari couche avec toi. Ok. J'ai vraiment prié pour toi. Je l'ai sanctifié pour te le remettre. Hey, je sais que c'est vraiment trop dur pour supporter. Mais sois fort. Ces savants a été fabriqué avec 6 fleurs de nuit. Utilise ça. Je priais pour toi, ok? Je l'ai sanctifié par notre rupture de la beauté et de l'attirance. Et avec le 7 fleurs de la nuit, tu utiliseras ces savants quand tu te laveras. Cela te rendra attirante et trop belle chez ton mari. Et c'est avec ça que tu verras le résultat. Il sera directement attaché à toi. Hey, merci ma reine, merci. Alors, cette huile que tu vois, ça te jure de l'impact. Oui,
Tu vois ça? Ça marche toujours en tous les coups. Hey, j'ai déjà prié pour toi. Tout ce qui ne marche pas avec ta hanche, cette huile va les neutraliser. Hey, tu verras de toi-même. Tu verras le miracle. Et alors, tout ce que tu avais perdu te reviendra. Alors, il va s'agenouiller et demander juste de passer nuit avec toi. Ne te dérange pas. Ne t'inquiète pas. Et finalement, quand tu tomberas enceinte, personne ne va douter de la paternité de ton enfant. Aïe. Va et sois béni. Hey, merci, ma reine. Merci. Sois béni. Je suis béni. Hey, beaucoup d'enfants. J'en aurai. Félicitations. Merci, merci, merci. Tout est fini. Merci. Va et sois féconde. Tous tes problèmes en pris fin. Félicitations, mamie Dumas. Bon aller. Hey, maintenant, place ta main sur ta côte. C'est fait. C'est fait. Tu as dit qu'il aime bien te saisir à la hanche pendant qu'il te pénètre par derrière. Oui, 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 Marie. Félicitations. Tu l'as maintenant eu entre tes mains. Quand ses mains touchera cette partie, quand il essaiera de te pénétrer, et je le pressens, il sera condamné par toi et il n'ira nulle part. Le travail que j'ai fait pour toi aujourd'hui, la chose que je viens de te faire, c'est la plus grande de toutes. Et j'ai autre chose pour toi. Ok. C'est un produit de l'attraction fait par les sept fleurs de la nuit. Tu le pomperas à l'intérieur de ta terre sainte. Ici, oui, juste à l'intérieur. Je vais aussi te donner du savon. Un savon qui a du pouvoir. Un savon qui te rendra encore plus belle. Tu te laveras avec ça. Juste après l'action. Tout est fini par ici. C'est juste ça. Merci. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que cela marchera? Le travail que je viens de faire avec toi aujourd'hui, on l'appelle une chose qui n'échoue jamais. Cela s'appelle un coup, une flamme. Ça s'appelle encore prendre et rester. Jeune fille, écoute-moi. Tu vas l'introduire quand tu te la verras. Dis-lui que tu as besoin de manger de la viande de crocodile. Je t'ai dit qu'il fera en sorte d'aller chercher cette viande de crocodile puis te la porter. Et il te la portera à genoux. Donc, il va lui-même me la porter. Ma reine, merci beaucoup. Merci. Je t'en prie. Tu ne m'as pas dit combien je dois payer pour ça. On n'en a pas besoin. Parce qu'un médicament va jusqu'au-delà des 5000 Naira. Ton travail n'est pas fait. Tu veux autre chose? Non, je ne voulais pas compliquer. Je voulais juste faire... Va et réjouis-toi dans ton travail. Merci. Va et savoure. Merci, Marie. Reviens avec des témoignages. Merci, Marie. Reviens avec des témoignages. Va et réjouis-toi dans ton mariage. Oh, bon Dieu. Es-tu sérieux? Mon ami, j'étais déjà sur le point de partir quand les travailleurs de l'hôtel ont appelé le médecin pour venir m'aider. Wow. Mais mon gars, tu vois maintenant pourquoi est-ce que je n'ai jamais aimé ton idée là de « viens, je te dépose ». Je veux dire, ce n'est pas forcément tout ce que tu vois en route que tu peux emmener. Mon cher, ce qui m'a le plus surpris dans cette histoire, c'est que le médecin a dit que le sang dans mon corps était vidé. Et je me demandais, au fait, elle est venue pour sucer mon sang seulement ou quoi? Parce que mes bijoux et mon argent étaient tout intacts. Seulement mon sang. Mamma mia! Attends mec, ralentis un petit peu. Parce que tu es apparemment vraiment très rapide. J'essaie vraiment de comprendre ça. Je veux dire, tu as pris une fille et passé la nuit avec elle. Et
Tes bijoux n'ont pas été touchés. Ton argent n'a pas été touché. Et ton sang avait été sucé. Sérieux, bro. Je pense que tu as besoin d'une sérieuse délivrance ici. Maintenant, tu vois pourquoi j'avais décidé de stagner avec Mago? Investiguer juste pour savoir au moins que c'est la fille dont j'ai besoin. Si j'ai survécu à celui-ci, je pense que je m'arrête là, avec cette histoire de fille. Je vais seulement choisir une seule femme et préparer l'avenir avec elle. Mon cher frère, le plus tôt sera le mieux. Parce que pour moi, je m'étais déjà décidé depuis il y a longtemps de cela. Maintenant, c'est Nikki ou personne d'autre. J'ai vu l'enfer. Mais sérieux. J'ai vraiment failli y rester. Si elle a pu sucer ton sang jusqu'à ce point. Ton sang doit vraiment être très appétissant. Hein. Mais c'est quoi ça? Non, parce que j'essaie de comprendre, non? Je veux dire, comment est-ce que quelqu'un peut sortir avec un gars comme toi? Non, et puis juste... Toi, c'est ça. Ça ne l'est pas, non. J'essaie juste dis-moi, de comprendre. Dis-moi, c'est vraiment amusant pour toi, c'est ça. Ah, sœur Eluka, je peux voir que tu es venu ici faire mon travail ce matin même. Il semble que l'esprit des dieux est entré en toi la nuit dernière. Eziba, écoute, je me suis décidé de travailler pour l'œuvre de Dieu. C'est cela pour seulement répondre à toutes mes prières. Ah, ça c'est très bien, c'est très gentil. Et je sais que tu sais très bien que l'homme de guerre aime de la nourriture délicieuse. J'espère que tu peux cuisiner aussi. Je suis une championne en cuisine. Et d'ailleurs, au-delà, mon mari ne mange pas n'importe où. Il ne mange pas dehors. Ah, ah. Ça serait vraiment très gentil. Ce que tu vas faire maintenant, c'est aller là-bas à l'intérieur et préparer une nourriture délicieuse. Arranger la maison et aussi nettoyer l'endroit. Toutes choses dans ce ministère, je suis prête à le faire. Même si Erika le faisait déjà et que moi aussi je le fais, on continue toujours à le faire. Bébé. Bébé, je t'en prie. Pouvons-nous faire ça une prochaine fois, je t'en prie? Voyons, bébé. S'il te plaît, j'ai besoin de toi. Oh mon Dieu. Stop, non, stop. Qu'est-ce qui signifie tout ceci? Je n'arrive pas à comprendre. J'ai fait tout ce qu'elle m'a demandé de faire. Mais pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas de moi? Je ne sais pas ce qui va arriver. C'est quoi tout ça? Tout était précipité. Tu l'as fait rapidement. Je ne veux pas se poser. Je ne voulais pas qu'il me trouve en train de faire ça. Ah, ah. Et voilà le problème. Tu étais si vite, vite. Au moins, tu allais commencer. Tu prends tous tes matériels comme si tu partais te laver. Okay. Tu vas à la douche. Tu portes ton savon. Avec les savons que tu auras, tu vas l'utiliser pour prendre un bain. Et tu apportes ta portion. La chose la plus importante, tu le mets jalousement entre tes jambes et tu les ressors à l'intérieur. Tu es si grande, tu es en train de me comprendre, il faut le mettre à l'intérieur. L'introduire très bien, quand tu te présentes et qu'il pénètre, c'est tout. Ok, je ferai tout ce que tu m'as dit de faire. Obélé. Obélé. Bien. Donc tu es là à dormir. Tu étais en train de dormir alors que toutes les destinées que j'ai lavées, que j'étais supposé utiliser pour faire un travail spirituel pour Madame Cash, tous partis, emportés par les eaux comme ça. Maître, pardonnez-moi, s'il vous plaît. Je vous en prie, je ne savais pas que vous aviez fini, oh. Je vous regardais quand vous aviez dit à cette femme de se mettre toute nue, mais qu'elle avait refusé. Je ne sais plus quand je me suis endormi et je suis vraiment je désolé. Je te jure, je vais te cataclysmer. Avec tout l'argent que j'ai utilisé là-bas, c'est vraiment ça que tu as laissé partir dans l'eau juste comme ça. Tu me dis que tu étais en train de dormir, alors qu'arrive-t-il aux destinées que j'ai nettoyées aujourd'hui, hein? Hein? Bien,
je vais utiliser ta tête, hein? Je vais utiliser ta destinée ce soir parce que je dois faire ce travail pour Madame Cash. Ça veut dire quoi cette stupidité, non? Comment peux-tu ruiner mon business? Tu es votre garçon ou... J'étais presque 33 destinées, mon gars. Tu vas mourir. Homme de Dieu, doucement, homme de Dieu, s'il vous plaît, non. Je suis votre garçon, homme de guerre. Je vais te noyer. Je vais te noyer. Yawakem. Cette portion de terre que je t'ai donnée de l'autre côté de la rive que tu utilises pour tes activités de purification. J'ai entendu dire que tu l'as transformé en endroit où tu emmènes des hommes et des femmes tout nus pour les maltraiter. Monsieur, ce que vous appelez maltraiter, moi j'appelle ça du travail spirituel. C'est une rivière publique, ce que je fais là-bas ne peut jamais être un problème. Quel est votre problème? C'est quoi votre problème? Je vois. Vous jugez selon vos activités récentes, je peux vous regarder dans les yeux et dire que vous êtes un faux prophète. Quoi? Moi, un faux? Exact, t'es un faux. Si vous ne partez pas d'ici maintenant, je vais vous cancan zoom zoomer. Me cancan quoi? Laisse-moi te prévenir. Si je te revois proche de cette terre-là, je vais en finir avec toi que... D'ailleurs, ce que je vais faire avec toi, tu vas pas comprendre. Vous êtes juste un sale vieux faux que je vois ici. Vous ne ferez pas une chose pareille parce que vous n'êtes pas capable de faire cela. Es-tu en train de me défier? Exact, et je peux faire bien pire que ça. Et c'est exactement comme ça que j'en finirai avec vous ici même. Cette colère qui n'est rien d'autre qu'une folie. C'est ici que j'en finirai si vous ne partez pas d'ici. Tu n'as même pas peur? Moi, faux. Peur? Oui. Tu es un faux. Ce que je vais vous faire. N'importe quoi. Ce que je vais vous faire si vous oserez venir ici. À 1h45, cette nuit, sous votre sommeil, je vais vous transformer en sel. Comment osez-vous? Donc tu as un pickpocket professionnel. Et tu as besoin de quelque chose qui va rendre ton business plus fructueux, n'est-ce pas? mes amis m'appellent la main magique. Et j'ai essayé le pickpocket, mais ça ne marche toujours pas. J'utilise mes armes pour attaquer. C'est ce que je fais. Oh gars, on ne fait pas ce genre de travail spirituel à cet endroit, vous comprenez ça? Allez-vous-en d'ici, vous devez faire cela. Hé! Hey! C'est obligé! Oh gars, je vous en prie, je vous en prie. Je vous en prie, je vais appeler mon patron, il est juste trop occupé, je vous en prie, s'il vous plaît. Homme de guerre! Homme de guerre! Vous devez Homme de faire. Guerre! Homme de guerre! Qu'est-ce qui se passe ici au juste? Donc c'est lui l'homme de guerre en question? C'est lui l'homme de guerre en question? Qui lui as-tu dit que je suis? Et qui lui a dit que tu es? Oga, il a dit qu'il est un voleur professionnel. Et que pour voler, il sort toujours son arme. Oga, s'il vous plaît, dites-lui la vérité, je vous en prie. J'ai pas envie de mourir. Va-t'en d'ici. Tu n'es qu'un fou. Qu'est-ce que tu veux? Je suis ici pour un travail spirituel et c'est tout. Je veux être fortuné dans mon travail de pickpocket et c'est tout. Laisse-moi te rappeler que tu te tiens devant le plus grand prophète de cette génération. Le roi prophète. Je suis l'homme de guerre. Je ne fais pas de telles choses. Quand tu seras prêt à faire quelque chose de plus grand, viens. Je ne travaille que pour ceux de grandes visions. Tu n'as donc aucune idée de celui qui se tient devant toi. Écoute-moi, je me fous de ce que tu fais ou pas. Tu dois travailler pour moi. Exact. Que tu le veuilles ou non, tu feras cela. Et je me fous que cela fasse partie des choses que tu fais ou pas. Je peux voir qu'il y a un enfant têtu qui essaie de jouer avec le feu. Et qui est ton garde du corps? Tu ferais mieux de commencer ton travail maintenant. Et le plus tôt sera vraiment le mieux. Sache que cela ne me fait pas peur! Ok, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Donc, vous êtes là, pendant qu'un voleur armé dangereux là est en train de vouloir nous tuer. En quoi cela me concerne? Je suis vraiment occupé avec d'autres choses, s'il te plaît. Laisse-moi vivre. Hein? Ce problème qu'on en est vraiment très sérieux. Ce gars ne veut même pas nous laisser respirer spirituellement. Il va tous nous tuer qu'on peut pas dans cet endroit. Il va tuer qui? Nous qui sommes les esprits. Tu as oublié? Est-ce que vraiment cela nous concerne? Ce n'est pas notre problème. Va dire à ton boss de résoudre son problème. Et laisse-moi en paix. Ou soit n'est-il plus un homme puissant? Vas-y, réponds-moi. Moi, écoutez, si je sors d'ici, je suis sûr que vous allez dire que ma tête ne fonctionne pas bien. Je pourrais même mourir parce que même cet endroit où je travaille actuellement, j'en ai peur actuellement, c'est bizarre. Je suis apprenti, j'apprends et je travaille.
Si je suis entré, si c'était pour trouver de l'aide, mais vous m'aidez pas. C'est bizarre, qu'est-ce que j'ai fait? Ferme ta bouche. Sors d'ici. Arrête de dire n'importe quoi. N'importe quoi. Hey! Donc ce travail est très risqué? Wow! Sérieux Dieu, merci parce que cet homme est parti avec son arme de cette place. Hey! Oh Dieu, je me couvre avec le sang de ton fils. Oh. Pardon, pardon, ma magique, s'il te plaît, pardon. Je t'en prie, je suis un apprenti. Je t'en prie, donne-moi un peu de temps pour ton problème. Je dois être gradué. Je t'en prie, donne-moi un peu de temps. Je t'en prie. Es-tu sûr? Oui, je t'en prie. Baisse-toi. Agenouille-toi. Es-tu malade? Main magique, je suis désolé. Désolé. Tu vois celui-là? C'est ça qu'on appelle l'huile de Akantiawa. Ok? Exact. L'huile de Akantiawa. Exact. Ça, c'est bien. Avec ça, tous ces petits voleurs archaïques qui se font voir pour rien, ils sont tous en dessous de toi. Es-tu sérieux? Exact. Il devrait être tes acolytes, Junior. Es-tu sérieux? Exact. C'est ce que je veux. Oui. Ok. Tu vois celui-ci? Ça, c'est la soupe de la victoire. La soupe de la victoire. Ça, là, faut l'utiliser pour un bain. Sérieux? Une fois que le bain est fini, je dois me laver partout. Exact. Sache qu'on va dire que ton business, là, ça va se changer en présence permanente. Et? Tu vois cet homme qu'on dit qu'il est numéro 1 au kidnapping? Cet homme, c'est le même qui sera sous ton ministère. Sérieux? Exact. Je vais devenir leur patron. Exact. Ah, c'est bien. Merveilleux. Tu dois maintenant attendre un peu pour que je puisse utiliser la purification spirituelle. Je t'en prie, vas-y. Oui. Vas-y. C'est à combien? Alors, tu vas répéter après moi. Hein? Oui. Premièrement, ferme tes yeux. Ah, ok. Ferme tes yeux. Ah, ok. Es-tu là? Je suis là. Ok. Alors répète après moi maintenant. Ok? Ok. Dis Amen. Amen. Dis Amen à nouveau. Dis Amen. Amen. Dis Amen encore amen. Une fois. Amen. Dis Amen. Amen. Prophète. Mais où est-ce qu'il est passé au juste? Bébé. Oui. Bébé, je t'en prie, juste accorde-moi quelques temps, je vais finir avec un petit truc ici. Chérie, le business d'abord, je t'en prie. Je peux me faire $1 million avec ça. Tu te souviens de cette voiture dont tu as toujours rêvé, chérie? Mm-hmm. Je vais te la donner très bientôt. Et après, je vais te faire obtenir ton passeport. D'accord? Très bien. Tout d'abord, dépose ta machine. Bébé. Alpha 1, je suis en état de détresse. Envoyez des renforts. Feu! Mettez-vous à terre. Hey, homme de guerre, s'il vous plaît, aidez-moi. Homme de guerre, s'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi, le Tout-Puissant, s'il vous plaît. C'est mon unique enfant. Je ne savais pas qu'un jour, il va prendre ses jambes, je regarde-les. S'il vous plaît. Tu as pris un simple SK, voilà comment tu te trouves déjà. Cela veut dire que si tu oses prendre Colorado, tu vas mourir à l'instant. Sale pourfias. Tu dois emmener de l'argent. Okay. Parce que d'après ce que je vois, c'est un travail spirituel. Okay. Alors il faut beaucoup d'argent. Moi, je vais sauver cet idiot.
Homme de guerre, j'ai 15 000 naira. Tu es une femme très stupide. Pour ces durs travaux, tu m'emmènes 15 000 naira pour que j'en fasse quoi au juste? C'est du bénévolat ou quoi? Une simple délivrance de Victoire, c'est à 65 000 naira. Ne soyez pas stupide. Ah! S'il vous plaît, prenez ça. Je n'étais pas préparée pour ça. S'il vous plaît, je suis une veuve. Je suis une veuve, s'il vous plaît. Tu es une veuve. C'est moi qui ai tué ton mari. C'est moi qui ai fait qu'il aille fumer. Bah, alors, faites ce qui est nécessaire, non? Je vous supplie. Ok, prenez d'abord ça, hein. Commencez d'abord avec les traitements. Commencez avec les traitements d'abord. À moins que vous ne... Madame, écoutez-moi bien. À moins que vous ne vouliez que je puisse le traiter à moitié. Quand vous apporterez le reste, je pourrai donc accomplir un miracle. Bébé, écoute-moi, moi. Va à la banque et prends l'argent pour qu'on en finisse avec cette situation. Exact. Si vous me connaissez très bien, je suis un homme qui mange du fer. Dans une rivière où je construis ma villa sans claustra et sans cadenas. Si je te pointe les yeux de colère, tu vas te transformer en sel. Sois très prudent. S'il vous plaît. Et c'est bon, Yosi. Homme de guerre, peux-tu utiliser 15 coups de fouet pour la folie? Mba. 15 petits coups de fouet pour ce petit fou-là? Mba. S'il vous plaît, monsieur. Commencez d'abord avec les traitements. S'il vous plaît, laisse-moi aller prendre l'argent. Puisque vous voulez que je puisse faire le miracle à moitié, quand vous viendrez avec le reste, je vais compléter le miracle. C'est comme ça que vous voulez cela? S'il vous plaît. Va dans la banque et prends-moi de l'argent. Afin qu'on puisse continuer, emmène-le à l'intérieur. Hein, homme de guerre? J'ai très peur. Il pourrait mordre une personne. Est-ce comme ça qu'on fait? Hein, homme de guerre, je suis un apprenti dans ce travail. Ayez pitié de moi. Hein, je vous en homme prie. Homme de peur. Hein? Tu n'es qu'un sale trouillard. Utilise le pouvoir du Saint-Esprit que Dieu a en toi. Emmène-le avec le pouvoir du Dieu Tout-Puissant. Dis-moi un peu, qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Mais sois avec toi comme ça. Tu savais très bien que nous devions nous voir là-bas. Et pour aller signer le contrat. Mais tu ne t'es même pas présenté. Mais c'est quoi? Dis-moi, c'est quoi? Oh, ça. J'étais vraiment très occupé avec ma petite amie ici. Mais qu'est-ce que tu dis comme ça? Hein? S'il te plaît, est-ce que tu t'entends parler? Tu t'entends parler, toi? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, mec? Oh, est-ce parce que tu donnes un accès illimité à ma chambre d'hôtel que tu penses que tu peux me dire quoi faire et quoi ne pas faire? J'étais en train de passer du temps avec ma petite amie et cela est bien plus important qu'un quelconque autre business. Et en ce qui me concerne, ce business peut aller en enfer. Exact, et je viens de dire, ce business peut aller en enfer. Et en ce qui te concerne, toi, je pense que tu commences vraiment à dépasser tes limites. Et maintenant, je pense que tu as gâché ta bienvenue. Alors va-t'en, ma chambre. Ok, très bien. Alors, tu as permis à ton stupide ami d'entrer dans notre chambre? Donc tu permets à ce que ton frère puisse entrer dans notre chambre maintenant? Je t'en prie, bébé. Vraiment désolé pour ça, ok? Je ne sais pas, ce gars, je ne sais même pas le genre de personne qu'il est. Que cela n'arrive plus jamais. Ah, ok. Je suis désolé pour ça. Ah, Seigneur, mon Dieu! Ah! Oh! J'enlève toute la drogue. Arrête de fumer. Mais pourquoi est-ce que vous me dérangez, non? Hein? Pourquoi vous me dérangez? Laissez-moi savourer moi-même, non? Avec ma richesse de l'océan et ma richesse de prospérité. Ok? Je sais que tu n'es pas celui qui parle. Je sais que c'est l'esprit de la marijuana qui parle à travers toi. Mais par les pouvoirs qui me sont conférés, en tant qu'homme de Dieu, je neutralise tout esprit de Ibo et de Esca, de l'Arizona, de la marijuana, que ce soit pâle ou colorié. Toutes ces choses. J'enlève la drogue. Dans l'huile de l'huile. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Madame, ne vous en faites pas. Tu es malade. Je vais le délivrer. Aïe. Oh. Ok, vous voyez ce qu'il m'a fait maintenant. Hein?
Un petit garçon qui n'est qu'un apprenti ici, voilà que vous m'envoyez pour me tuer ici. Toi, hein? Qu'est-ce que je te fais au juste? T'es malade? Est-ce que j'ai l'air d'un ami fou pour toi, hein? Qu'est-ce que je te fais au juste? Mais oh, regardez vraiment, moi, un apprenti comme ça, regardez comment il frappe. Qu'est-ce que je vous ai fait? Il m'a mordu. Et écoute-moi, toi, mets-toi à côté. Mets-toi là et à genoux. Patron, on a mordu un apprenti. J'ai dit, mets-toi là et à genoux. Les mains en l'air. Reste bien là, ok. Aïe! Ah! Oh! Ah! Ok. Je pars à la banque. Donne-moi toutes tes cartes bancaires. Que je te donne une ou bien toutes. Tes comptes. Je vais mettre ton argent dans mon compte. Tu sais, je vais t'aider à tout gérer. Je n'aime pas ta façon de dépenser de l'argent. Je veux t'aider à les contrôler. Écoute, si tu veux de l'argent pour quoi que ce soit, fais-moi savoir. Si c'est vraiment important, je te le donnerai. Contrairement, je ne le ferai pas. C'est très simple. Est-ce pourquoi tu entends de vouloir t'énerver pour rien du tout? Tu aurais dû le dire plus tôt, non? Allez, arrête, t'en fais pas pour ça. Je te donne ça tout de suite. Elles seront en sécurité avec toi. Je crois que ça a toujours le même mot de passe. Bien sûr, ouais. Ok, je pense que tu m'as tout donné. Bien sûr, regarde les déjà vides d'ailleurs. Je vois. Je crois que c'est bon, ou bien tu veux ajouter ça pour le transport? À plus tard. D'accord, chérie. Une beauté étincelante. Attends, comment ai-je pu faire pour avoir cette fille? Chérie, tu es une vraie femme au foyer. Ah, je t'aime, sérieux. J'adore cette fille. Da-dun, da-dun, da-dun. Mes ennemis me manquent déjà. Je t'avais dit que ça marchera. Je l'ai vu. Je l'ai vu de mes propres yeux. Tu sais qu'il a permis que je puisse vider tout son compte. Tous ses fichiers parcellaires. Et même ses voitures. Tu sais, j'ai juste demandé ce que je voulais et il s'est plié. Exactement ce qu'il était supposé être. Je te l'avais dit. Maintenant, tu as vu l'efficacité de ma portion. Et très bientôt, tu reviendras ici avec une très grosse voiture. M'offrir comme un cadeau. C'est vraiment merveilleux. Et ta magie, la mise par terre. Appelle-moi Akane Tegon. Akane Tegon. Appelle-moi Onyenye Guide. Onyenye Guide. Appelle-moi Nchukwa Tekwe. Nchukwa Tekwe. Je t'aime. Va et réjouis-toi. Merci. Célèbre ta victoire. Merci. Et réjouis-toi. Je suis reconnaissante pour tout ce que tu fais. Où est Bella? Est-elle avec une cliente ou bien l'un de ses petits amis lui rend visite? Hein? Homme de guerre, depuis que j'ai commencé ce travail, vous m'aviez dit que Bella n'a jamais rien à voir avec des hommes. Alors elle a un petit ami? Qui est vraiment fou. Je suis désolé, homme de guerre. Tu ne sais pas dire que je n'arrive pas à faire ce travail? Désolé, homme de guerre. Tu es toujours là à dire des bêtises. Ton cerveau est tellement petit. Choisis l'un des poulets parmi les poulets qui avaient été rapportés ici pour un sacrifice par l'un de nos clients. Et j'ai besoin de la soupe avec des ignames. Fais-le épicé. Homme de guerre, la soupe en question, est-ce pour moi ou pour nous? Homme de guerre, je suis désolé, devrais-je prendre un coq ou bien une poule? Femelle, c'est mieux. Homme de guerre, devrais-je ajouter ces trucs qui vous aident à vos pouvoirs afin qu'ils se sentent un peu plus mieux? Que le tonnerre te localise. Écoute, je vais te changer en sel. Tu vas être changé en sel, je te le promets. Animal. Ne cherche pas ce que je puisse te cancamzoumer. Ne cherche pas ce que je puisse te cancamzoumer. Sois très prudent. Regarde, j'ai pu avoir tout ce que je voulais. Grâce à mon courage, je vais maintenant réaliser tous mes rêves. C'est bien pour toi.
Écoute, si seulement la voiture qu'il m'a achetée est arrivée, j'enverrai celle-ci à ma maman ou à ma sœur, vois-tu? C'est bien pour toi. Bon, Teddy, qu'est-ce que je veux dire par c'est bien pour toi, c'est bien pour toi? Ne me dis pas que tu es jalouse de ma réalisation. Ah bah! Ah, je n'arrive pas à comprendre. Et pourquoi je serais jalouse? Et donc, ton ami te dit à propos de sa réalisation, tu es là, tu ne ris. Tu n'es même pas heureuse. Ah, j'ai dit que c'est bien pour toi. Ah, tu es juste comme ça. Excuse-moi. Je dois partir de cet endroit. Alors, tu viens craquer? C'est mieux pour toi. Tant mieux pour toi. Bien Bella, mon point est simple. Je veux savoir pourquoi tu n'as toujours pas créé un seul compte depuis que je t'ai emmené dans ce business. Exact. Parce que je sais combien est-ce que tu connectes chaque jour sur ces filles qui viennent ici, qui entrent et sortent de cet endroit. Alors, quel est le problème? Écoute-moi, laisse-moi te dire. Il y a quelque chose que tu oublies. Laisse-moi te rappeler. Tu as ton partenaire privé qui est Isochi. Et j'ai la mienne qui est Utego Manarige. Et j'essaie de faire ce qui est droit. C'est quoi ton problème? Mon problème ici, c'est que tu gagnes plus d'argent que je ne fais. Ce que tu peux faire en un jour, je ne peux même pas le faire en un mois. Alors pourquoi ne pas faire des comptes ici? Es-tu le patron ici? C'est moi qui t'ai emmené dans ce business. Alors pourquoi ne faisons-nous pas des comptes? C'est vrai? Tu n'as même pas honte de toi-même. Tu es maintenant jaloux de moi. Ok. Pas vrai? Tu ne peux pas être jaloux de ton partenaire d'affaires. N'est-ce pas? Jaloux. Toi qui es le plus puissant, les combattants. Hein? Laisse-moi te dire, j'ai travaillé dur pour toi. Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est la façon dont tu as décidé de me payer. La parcelle dont tu as construit une maison pour ton père, c'était bien mon idée. Spécial idéaliste. Ton frère que tu avais envoyé au Centrafrique pour aller faire ses débriers. J'étais la personne qui avait contribué pour son visa. Je fais que ça marche. Grand oracle. Tout ce que j'ai fait pour toi, tu ne l'apprécies jamais. Avant qu'on se rencontre, tu étais malheureux. Un prophète malheureux. Tu n'avais même pas un centime. Je suis venu, je t'ai apporté la lumière. Enseignante. Je t'ai fait devenir ce que tu es devenu maintenant. Et là, tu es jaloux de moi. Écoute, si tu ne prends pas tes gardes, je partirai et je te quitterai. As-tu fini de chanter? As-tu fini de chanter? Écoute, bien madame, si tu ne veux toujours pas faire des comptes, si tu ne veux toujours pas être loyal, je ne veux pas te chasser hors de cette maison, je vais te frapper hors de cette maison. C'est quoi ça? Pourquoi ne fais-tu pas de comptes? Si tu ne fais pas de comptes ici, je vais te transformer en sel. Tu ne peux pas te faire de l'argent ici et ne pas faire des comptes avec moi. Pourquoi? Pourquoi? C'est moi qui m'ai batté. Aujourd'hui, je te quitte et on verra ce que tu seras devenu. Tu me quittes? Tu penses que j'étais en train de pleurer? Eh wow, je suis en train de pleurer. Eh wow, s'il te plaît, chérie, ne parle pas, ne me laisse pas. Oui, je suis en train de pleurer. Qu'il tonnerre te localise, je vais te changer en sel. C'est 500 000. Je veux que tu prennes ça pour que tu me cherches ou m'appelles plus jamais. Tu m'as aidé à l'école, c'est bien. On a joué aux amoureux. Mais je vais évoluer maintenant. Alors prends cet argent et ne m'appelle plus jamais, ok? C'était pas ce à quoi je m'attendais, mais je vais gérer ça. Écoute, je veux que tu disparais. Ne me contacte plus, ne me cherche plus jamais. Je vais partir, mais ceci ne sera pas la dernière fois. Tu me menaces? Crois-moi, ceci ne sera pas la dernière fois. Provoque-moi. Provoque-moi, tu verras ce que je te ferai. Tu ne sais pas avec qui tu as affaire, idiot. Écoute, ma chère amie. Écoute-moi, s'il te plaît, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive plus à comprendre Sego. Sego, il a vraiment changé. Je ne suis plus sûr qu'il voit avec ses propres yeux. Est-ce que tu peux imaginer qu'il a laissé filer un deal qui allait nous donner $1 million juste comme ça? Juste comme ça! Et de l'autre côté là-bas, on m'a appelé pour me dire que Sego leur a envoyé l'argent pour déjà commencer avec la construction. Et Sego leur a dit aussi qu'il a donné l'argent à celui, mais la personne de... Ce n'est pas lui qui cherche son compte. Et voilà maintenant, la personne qui utilise son compte n'est même pas la personne qui a la permission de le faire. Mais c'est ça, mon cher. Hein? À l'église, n'est-ce pas? Mais écoutez-moi, ce qui est le plus important, c'est que mes 12 millions de Naira sont dans ces comptes-là. Sont dans ces comptes-là. Je ne sais même pas ce que je veux faire. Oui. Et même la deuxième personne en qui nous avions le plus confiance, et la personne a disparu. Je comprends plus rien, sérieusement. Il faut que j'aille voir. Il faut que j'aille voir moi-même. Il faut vraiment que j'aille voir le prophète. Parce que là, ça devient vraiment au-delà de mon intelligence.
Comment je peux perdre ce pourquoi j'ai travaillé pendant beaucoup d'années comme ça? Tout mon argent, 12 millions. Je n'ai pas de choix, faut c'est moi que j'aille le voir. Très bien, on se parle plus tard, d'accord? Bébé? Mes partenaires de business commencent vraiment à se plaindre et... Bébé, ils sont en train de te tromper. Calme-toi. Je sais ce que je fais. Mais ce sont des gens que j'ai connus avant... Ok, c'est bon. Je partirai. Mais sois en sûr que je vais revenir. Tu vas encore me voir. Parce qu'ils vont te finir. Bébé... Excuse-moi, ne me touche bébé, pas. Bébé, je t'en prie, assieds-toi d'abord. Allez, je t'en prie. Écoute maintenant. Ce n'est vraiment pas du tout ce à quoi tu penses. Je veux dire... Ok, je suis désolé. Ne t'en fais pas. Je ne parlerai plus jamais de ça. C'est bien maintenant. Et tout l'argent qui se trouve actuellement dans mes comptes sont sous ton contrôle. Ok, maintenant je serai loyal à toute décision que tu voudras prendre à propos de ça. C'est bon. Je suis désolé, bébé. Tu es pardonné. Tu sais que tu es la meilleure, toi. Non. Mon frère, nous ne travaillons pas la nuit. Hein? La nuit comme ça, nous avons beaucoup d'esprits à purifier. Et nous avons beaucoup de gens qui nous devons guérir de l'aveuglement. Je vous conseille de revenir le matin. Je vous en prie. Hein? Alors, demain, à quelle heure déjà? Monsieur, on est ici le matin et à midi. Est-ce qu'on a un travail à faire à part ça? Si ce n'est pas un travail spirituel pour pouvoir libérer les gens, hein? Ok, je viendrai demain, très tôt le matin. Alors, dis-moi un peu. Est-ce que tu connais un bon hôtel à côté où je peux juste passer la nuit? Ah, vous ne connaissez pas l'hôtel Zazakong là-bas? Zaza quoi? Zazakong! Ah, si vous voyez leur pute! Hey! Leur pute, hein! Si vous voyez leur derrière, vraiment soyeux! Tu veux dire leur pute? Moi, je pensais que vous étiez dans... Des putes! Ah, non. Dieu te bénisse, mon frère, Dieu te bénisse. Tu sais, une fois dans la journée, on passe souvent à cet endroit. Et on voit souvent la façon dont elles se promènent partout, là. Elles sont tout partout, là-bas. Ce que je vous conseille maintenant, hein. Vous voyez, si vous descendez là-bas, vous verrez ces conducteurs de moto, hein. Demandez-leur l'hôtel Flamingo. Celui-là est meilleur, Celui-là est meilleur. Ok. Très bien, je pense que je vais rentrer chez moi seulement. Je viens demain matin. Ouais. Oui, bonne nuit. Ok, d'accord. Bonne route. Sankani kuruge me akwano boda makanani nanoluo onye chalo kabuli gwe gabuo onye nyelego ya gabatego ichalo anya logolunisi anyiti waga kinisi kwezi okuo ichowa wa bobo anyi kechitere giya ichori patego biaba na mmiri anyi ewusi agaru iga utego. Tu as envoyé 23 millions de naira dans mon compte? Non, je n'ai pas vu le reçu. C'est ma meuf qui vient me donner le téléphone. Ok. Ok, je devrais envoyer l'argent à Dinko afin qu'il puisse envoyer les marchandises. D'accord, aucun problème, mais je... Babe, on est en train de parler de business, non? Je sais, j'ai vu l'argent et alors c'est tout. Écoute-moi, il veut que j'envoie un peu d'argent à Dingo afin que tu puisses lui envoyer des marchandises. Bébé, j'ai... Ok? Naïe. Mais allô, Sego. Mon frère, je ne vois aucun problème là-bas. Oh. Je ne comprends pas. Je te parle ici, je te dis que mon ami est sous un charme là-bas. Toutes ces affaires sont en train de tomber. Nous devons détruire tout ce que cette femme-là, je l'ai sur lui. Alors donnez-moi des recommandations. Je sais. Tu sais quoi? Mais c'est quoi le problème? Mon frère, le problème qui te dérange là, c'est le même qui nous dérange nous aussi, oh. Au moment où je te parle maintenant là, mon patron, le prophète, est en train d'avoir de sérieux problèmes avec son partenaire spirituel. Tu penses que je suis heureux? Non. Comme je suis en train de te parler, hein? Les esprits qui nous envoient des pouvoirs spirituels, ils ont juste disparu au moment où je te parle. Comme je te parle là, pas de lumière du tout. Je ne suis pas heureux. Alors on doit attendre comme ça que la lumière soit pour qu'il y ait des pouvoirs. Quel est ton problème, mon cher frère? Tu penses que tu es seul à souffrir ici? Alors du calme, sois patient. Mais tout cela signifie quoi?
Je ne sais pas ce que je dois te dire de plus. Sois juste patient si tu veux continuer. Parce que maintenant, si seulement on rétablit la lumière, tu verras que tout va marcher comme sur des roulettes. Mon frère, ton problème ne sera rien du tout devant moi. Je vais m'en occuper. Oui. Non, juste, j'ai laissé tomber et je baisse les tons de l'endroit où je suis. Tu sais quoi? Parlons sur WhatsApp. Envoie-moi les photos que tu as, ok? Peux-tu me dire ce qui se passe? Cela n'est pas du tout mon département, parce que ce n'est pas dans mes compétences. Est-ce que vous comprenez? Je suis l'homme de guerre. Exact, le roi prophète, celui qui a la clé de toutes choses. Quand je suis heureux, je bénis. Quand je suis en colère, je maudis. Je suis spécialiste en purification humaine et je le fais sans tâche. Si je te purifie, tu vas aller et faire de l'argent, djibidike. Je délivre les gens des chaînes de la pauvreté. Une fois que tu te purifies, tu es libre. Mais quand tu es malade, ce n'est pas non plus de mon département. Mon personnel qui aurait pu faire cela pour toi a voyagé. Alors, quand est-elle censée revenir ici? Demain ou après-demain. Demain ou après-demain, quelle heure exactement? Pas d'heure. Elle peut venir quand elle veut. Ne crois rien. Je ne suis pas venu de ma part ici. Est-ce que tu doutes de l'esprit? Oh! Celui-là est un homme dangereux. Il m'a même pas laissé une chance. Je t'aurai, toi, imbécile. Maganani, non, non, non. Charme! Je vois un charme! Il y a tellement de charme ici! Wataya, c'est vraiment sérieux! Même à l'endroit où tu te tiens, il y a un puissant charme là-bas! Cet endroit doit être immunisé! La tête d'un puissant sorcier a été enterrée ici par vos parents! Prophète, c'est ce pourquoi on vous a appelé. Pour briser et chasser tous les charmes. En tant qu'un grand destructeur de charmes et inverseurs. Je sais, mais cela va au-delà de ce à quoi je m'attendais. Je dois me replier. J'ai besoin de deux de mes prophètes. Je ferai appel à deux de mes amis prophètes. Pour que nous puissions délivrer votre parcelle. Oui, prophète. Je ferai appel à toutes les prophéties. Okumodo. Oui, je vais délivrer ta parcelle. Allô, bien, dada. La guerre arrive. Ok. Nous allons travailler là-dessus. Ok, d'accord. Je reviens tout de suite. Rakasingodibosa. Je dois attendre que vous puissiez revenir. Je reviens avec mes amis prophètes. Comme ça, on va prier. Devrais-je vous attendre ici? Oui! Eze! Eze, mon. Hey! Eze, je t'en prie, j'en ai pas après toi. Je t'ai juste recommandé pour un travail spirituel. Un travail spirituel familial dans la maison de Okoro. Ok, celui-là? Exact, l'avez-vous déjà fini? Oh non, ne vous en faites pas, je viens juste d'être là et l'esprit que je vis là-bas était un bébé. Je vais aller trouver mes amis, comme ça on va en finir avec. Oh, bébé esprit? Exact. Oh, ok. Calabash. Bébé esprit. Ezemuma? Hein? Je vais en finir une fois pour toutes. C'est un travail spirituel. Est-ce que cet homme est en train de fuir par hasard? Non, impossible. J'ai planifié cela très bien avec Okoro. Que nous allons le capturer avec le charme qu'on a fait chez Okoro. Il ne va pas s'enfuir. Il va sûrement me payer mon argent au complet. Est-ce réellement l'amour? Bien sûr que ça l'est. J'aime énormément Nikki. Mon amour pour elle brille de mille feux. Mon monde serait tellement vide si je venais à la perdre. Au diable tous mes amis et peu importe ce qu'ils disent. Je vais juste changer mon numéro, comme elle l'avait suggéré. Ils peuvent aller en enfer.
Rien ne pourra jamais arriver entre Nikki et moi. Jamais. Que veux-tu dire par le travail spirituel que j'ai fait pour ton fils n'a pas marché? Ça veut dire quoi? Mon fils était bien en Afrique du Sud. Mmh. Il était bien en Afrique du Sud jusqu'à ce qu'il est venu ici et tu as fait tout ce que tu as fait. Tous ces abracadabras que tu as fait. Et tu lui as dit d'aller en Malawi parce qu'il sera un homme riche là-bas. Contrôle ta langue, jeune homme. Si je te pointe avec colère, tu seras changé en sel. Quel est ton problème? Que j'ai professé ce que j'ai vu? Que j'ai dit à ton fils de quitter l'Afrique du Sud pour le Malawi ou quoi? Quel est ton problème? Mon fils est allé au Malawi et il a failli mourir. Il a failli mourir. Tu as voulu le tuer. Il mangeait que les pains ordinaires, après tout ce que tu lui as dit. Aujourd'hui, ça ne va plus continuer comme ça. Tout ce qui lui est arrivé, après qu'il vienne ici, et tu l'as amené à la rivière, et puis tu l'as baptisé, et tu lui as dit qu'il va devenir riche, qu'il sera millionnaire au Malawi. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé? Je vais te pardonner, parce que tu es un canal d'homme que le diable utilise pour parler. Joseph était en prison, et après il est devenu un roi. Obasanjo était en prison et après il est devenu le président du Nigeria. Le danger que court un homme ne signifie pas la fin de sa vie. Raconte Daddy, homme de guerre. Ne me kankanzouzoum pas. Rabasurubayash. Je prophétise et écoute-moi très bien. Ton fils va sortir de la prison. Et quand il sortira de la prison, il rencontrera l'aide de sa destinée qui va le conduire vers le président du Malawi. Ce président du Malawi fera de lui l'homme le plus riche du Malawi. Ma prophétie ne retournera pas sans effet. Ne me kankanzouzoum pas. Homme de guerre, s'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît, pardonne-moi. J'ai ta supplie, s'il te plaît. S'il te plaît, tu veux dire qu'il va sortir demain? Exact. Exact. Il sortira demain. Et Kankarebeske Kimbosunde Aberi Bakos va le connecter avec l'aide de sa destinée. Exact, je vois. Je suis désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît, pardonne-moi. Aide-moi à les supplier. Aide-moi à les supplier. S'il te plaît. One, il n'y a rien jusque là-haut. Mais je vais encore aller là-bas demain matin. Je vais sortir ce gars de ce problème. Je vais le faire. Oui, je promets que je vais le faire. D'accord, on se parle plus tard. Je suis heureux que tu sois revenu et ça me fait vraiment du bien. Exact. Je ne t'insulterai plus à nouveau. C'est bon. C'est bon. Quand tu es parti, nous avons perdu beaucoup de clientes en tout cas. C'était dur. Je te fais entièrement confiance et je pense que tu vas agir comme une femme. Je crois en toi. Bien sûr, mais pourquoi pas? Parce que mon partenaire est un homme célèbre. Alors pourquoi pas? Ne t'en fais pas, je... Comme je te l'ai dit, je suis vraiment content que tu sois là. Exact. Elles reviendront toutes parce que tu es là. Bien sûr. Laisse-moi d'abord aller. Je reviendrai. Alors, qu'en est-il de ton projet de construction? Au moment où je te parle maintenant, un travail concret est déjà en marche. Tu m'écoutes? Même s'ils venaient nombreux, même s'ils venaient nombreux de gauche à droite, de l'est à l'ouest, de partout, et crois-moi que tout finira parfaitement bien. Et tous les gens qui venaient avant commenceront toujours à venir. Avant la fin de cette année que je parle, on va s'épanouir. On va construire une très grande maison dans ce village. Tu connais comment je suis, non? Nous deviendrons riches, nous deviendrons célèbres. On va épater tous les villageois avec nos prophéties, tu vois. Confirmé. Notre succès doit aller très loin et cela sera ainsi. Oh oui, notre ministère va vraiment de mieux en mieux. De mieux en mieux, les bonnes choses arrivent. Plus de freinage.
Nous irons très loin. Ne me cancanzouzoum pas. Tu l'as bien dit. Qu'aurais-je bien pu faire sans toi? Tu n'as pas besoin de faire quelque chose. Merci infiniment. Merci infiniment. Comme je te l'ai dit, je ne peux rien sans toi, n'est-ce pas? Ouais. Oublions le passé et voyons l'avenir maintenant, hein? On est au complet et je crois que tout va très bien se passer. Comme caché quoi là-bas. Qu'est-ce qui se passe comme ça? Les numéros de Ségou ne passent pas. Deux numéros qui sont éteints. Il ne vient même plus au club. Et n'est trouvable nulle part du tout. Qu'est-ce qui se passe? Calme-toi. Respire, expire. Respire, expire. Ça, je préfère. Je t'ai choqué, hein? Si c'est toi qui m'avais fouetté comme on m'avait fouetté l'autre jour, serais-tu encore là? Hein? Maintenant, va à l'intérieur. Et emballe-moi assez d'argent. Beaucoup d'argent. Et saura plus me le donner tout de suite. Si tu ne sors pas la folie que je vais démontrer pour toi maintenant, tu appelleras sa conversion. L'homme fou. Désolé, je suis pas homme fou. Pas d'argent dans cette maison. J'espère que tu puisses. Pas d'argent, rien du tout dans cette maison. Hein? Je vous en prie, je t'en prie. Juste pas, plus d'argent, hein? Il y a plus d'argent, je t'en prie, je t'en prie. Et l'argent que vous aviez reçu quand vous m'avez frappé comme vous m'avez frappé l'autre jour ici. Hein? Je vais te pardonner. Écoute, va à l'intérieur, prends-moi ces stupides vaches et poulets. Emballez-moi tout de suite et je vais partir. Je ne mange que les grosses. Quelles les plus grosses vaches? Aucune vache, aucune poule dans cette maison. Il n'y a rien du tout. Tu peux juste faire un tour. Je te promets plus tard dans la journée. Reviens. Quand tu reviendras, ils seront tous disponibles. Je t'en supplie. Un véritable faux. Mange absolument tout ce qu'il a comme nourriture. Écoute, je vais te pardonner pour aujourd'hui, mais si je reviens encore aussi que tu me racontes des histoires. Tu me racontes des histoires, c'est ça? Écoute, hein. Je vais te découper en pièces. Bien, si je... Bon, un accord est un accord. Va juste et puis reviens. Je t'en prie. Quand je vais revenir, essaie de raconter des histoires. Hey! C'est comme ça que c'est travail? Hey oh! J'aurais jamais dû frapper ce petit garçon. Aïe! Oh. Avec ce travail, on a des problèmes, que des problèmes, chaque jour! Aïe! Ça veut dire quoi ça, non? Non mais c'est quoi tout ça? Comment est-ce que quelqu'un peut partir, partir de la chambre puis jusqu'à 7h, elle n'est toujours pas revenue à la maison? Hein? Quelle sorte de stupidité est-ce tout ça? Et pour couronner le tout, elle est sortie avec mes deux téléphones. Comment est-ce possible? Babe! Tu as quitté cet endroit et c'est maintenant que tu reviens vraiment. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Bon, ça, c'est à moi que tu parles. Exact, mais c'est à moi que tu parles. Oui, j'ai entendu parler. Pourquoi ne devrais-je pas te parler? Tu es sorti depuis mon temps, c'est maintenant que tu reviens. Et tu es même parti avec mes deux téléphones. Vraiment? Exact. C'est à moi que tu parles? Non, c'est à moi que tu parlais. Écoute, je suis désolé. Je ne voulais pas du tout lever ma voix sur toi. C'est juste que j'étais vraiment très inquiet. Je me suis dit que quelque chose aurait pu t'arriver. Je suis désolé. Ok? Tu as changé mes numéros? Oui. J'ai changé ton numéro de téléphone. Et je suis celle qui peut t'appeler deux maintenant. Oh, ça c'est magnifique. Merci chérie. Alors, j'étais ici depuis le matin. Je n'ai rien pu manger du tout. Pourquoi tu ne m'amènes pas les dîners? Bébé,
Qui est Kate? Moi, monsieur. Ton heure est venue. Tu peux entrer. Aise. Prépare-la pour la réception du Saint-Esprit. Ok, homme de guerre. Ne me cancan. Zouzou pas. Monsieur, mais c'est quoi ça? Mais cela signifie quoi? Je suis venu ici avant ces gens-là. Que se passe-t-il? Mon gars, cette femme est venue ici avant toi. Tiens, mon Dieu. Elle n'est pas venue voir le prophète, c'est la reine qu'elle est venue voir. Alors, s'il te plaît, assieds-toi. Quand cette personne qui est entrée là-dedans va sortir, tu vas entrer. Hein, sois patient, assieds-toi. Assieds-toi. Es-tu surprise? Je n'arrive pas à comprendre comment tu as pu appeler dans mon numéro. Et maintenant, c'est ma photo qui se retrouve ici. Oh, ton ami Nikki nous avons envoyé ta photo. Elle a peur parce que tu peux dévoiler ses secrets dans la famille de son homme. Son homme est entre ses mains. On y a bien kakadi kibenga. Elle a peur. Je n'ai pas compris quand tu as dit qu'il est entre ses mains. Comment? Appelle-moi Akane Teko. Akane Teko. Appelle-moi Onyenyagide. Onyenyagide. Ici est la maison des solutions. Ici, c'est le quartier général de l'amour. Ici, il y a des solutions. À toutes les femmes que leurs hommes ne les traitent pas bien. Et elles trouvent une solution pour arrêter cela. Remercie le Seigneur parce que tu t'es retrouvé ici. Tu trouveras toutes tes solutions. Je ne fais rien du tout de mal. La seule chose que je faisais, c'était de conseiller Nikki. De ne pas faire du mal à un homme qui était trop gentil envers elle. Je pensais que ce n'était pas nécessaire d'aller voir une prophétesse. Oui, cet homme est vraiment gentil. C'est vraiment une personne gentille. Il fait toutes choses qu'elle veut. Et il est même en mesure de faire le plus. C'est ça ton problème. Voilà ce qui était inéraire. Qui es-tu pour donner des conseils? Qui te l'avait demandé? Ce n'est pas parce que tu avais bien fait. Ce n'est pas parce que tu es une bonne amie. Si ce n'était pas le cas, tu serais déjà morte à l'heure qu'il est. Morte? Mais pourquoi? C'était là où elle avait vu des gris-gris. En train de faire ce qui était trop méchant. Aïe, je vois. C'est là où cette femme t'avait vu et elle m'a remis ton numéro. Je me demandais si tu étais une sorcière. Mais ce n'était pas ce que j'avais trouvé. Ce que je vis, tout est au contraire. Tu es une autre personne. J'avais remarqué que tu as un bon cœur, un cœur du beau. Avant que je détruise ton cerveau. Quang, quang. Quang, quang. Heureusement pour toi. Tu es vraiment chanceuse. C'est ce qui t'a sauvée. Ok. Merci. Va-t'en. Va-t'en maintenant. Va-t'en. Aïe, 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 aïe. Je peux bien voir. Attends, attends, je dois confirmer, non? Qu'est-ce qui va pas avec toi? Sois patient. Ah ah. Mais monsieur, calmez-vous, non! Elle a dit qu'elle est fatiguée. Quoi? Retournez vous asseoir. Ou bien dans ce cas, revenez demain. Qu'est-ce qui se passe? La reine veut juste se reposer. Pourquoi tu m'empêches d'entrer? On n'irait nulle part. Il faut que je la voie. Vous avez dit quoi? Hé, monsieur! Je n'aime pas qu'on me provoque. Vous êtes en train de jouer avec le feu. Arrêtez ça. Laisse-moi là-bas. Toi.
Mais qui est-ce que je vois là? Merde. Comment il est arrivé ici? Il est venu ici en tant que client. Qu'est-ce qui se passe au juste? Je n'arrive plus à gérer qui que ce soit. Mais est-ce que ça veut dire qu'elle a pu changer mes lignes ou quoi? Oh mon Dieu. Oh Dieu. Je ne me souviens même plus de celle que j'avais retenue en tête. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Oh. Oh mon Dieu, sérieux, c'est pas juste. Tout ça n'est pas normal du tout. Salut. Ouvrez. Mais je ne te connais pas vraiment. Entre-moi dans la voiture, je suis une victime comme toi. Ok. Ok. Je suis allé chercher une solution pour mon ami, ensorcelé par sa petite amie. Mais après, je découvre que j'étais dans la maison de la même femme qui l'avait fait. Hein? Une femme que j'ai ramassée dans la rue, une femme qui a presque détruit ma vie. C'est pour aller tuer un démon dans la maison du diable. Je ne peux pas l'imaginer. Et ce qui est encore pire, j'ai vu la même fille entrer dans cet endroit-là. C'est que tu es une vraie confirmation. Hey, Nikki. Nikki. Il y a des filles méchantes. Attends, je t'ai entendu dire Nikki. Nikki Udaba. Tu la connais? Jésus-Christ. Nikki, c'est mon ami. Oui, je connais Nikki. Hey, Seigneur. Nikki. Sais-tu que cette fille, juste parce que je l'avais conseillée de ne pas utiliser quelque chose, peu importe ce qu'on appelle, sur un homme qui t'aime, il faisait presque toute chose pour elle. Cet homme faisait tout ce qu'elle voulait. Je croyais qu'il avait laissé tomber. Au lieu même de ne pas écouter mes conseils, tu sais ce qu'elle avait fait? Elle a amené mon nom quelque part pour que je sois morte. Oui, si ce n'était pas parce que mon nom était rejeté, là où elle était partie avec ça, je serais déjà morte au moment où je te parle. Nikki, je me disais même de quitter cette ville. De quitter cette ville. Sinon, elle va me détruire. Chez cette femme, je ne sais même pas comment l'appeler. Je suis en danger. Non, tu ne vas nulle part. Les gars, c'est mon meilleur ami. C'est Go. Nous sommes rentrés de Malaisie ensemble. Nous devons le sauver. Nous le devons. Ah, d'accord, si tu le dis. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire? Il doit être éteint. Avant que cet homme essaye de les joindre. Non, j'ai bloqué son téléphone. J'ai bloqué son téléphone pour que personne ne le rejoigne. Il ne peut même pas sortir. Je suis la seule qui peut l'appeler ou le voir maintenant. Aïe! Il y a un autre problème. Qu'est-ce que c'est? Il y a un petit problème. Quoi? Aïe! Dis-le-moi. Hein? Maintenant que quelqu'un qui le connaît a dû trouver une solution sur tes gris-gris. Aïe, comment cela est arrivé? Comment cela est arrivé? Tes gris-gris devraient normalement être cachés. Hey. Mais ma mère aussi est impliquée dans ça. Oh, c'est vrai. Oui, j'ai dû l'oublier. Il y a aussi une solution au-delà des solutions. Oui.
Tcheka. Ne sois pas paniqué, on va trouver une solution. Hey. Je suis très calme pour qu'il ne se passe pas. Écoute. Ok. Mon cher ami, mon ami Onyego, je l'ai vu au même endroit où j'étais allé chercher la solution pour sauver les gars. Cette femme lui a mis du charme. Mon ami, cette femme l'a déjà envoûté au... Hey! Nous avions raison, après tout, nous avions raison. Mais toute chose va s'arrêter aujourd'hui. Tout va s'arrêter aujourd'hui. Je suis là avec une femme. Sa meilleure amie. Sa meilleure amie qu'elle a presque rendue folle. Seulement parce qu'elle lui a déconseillé de faire ce qu'elle a fait. Hey! Mon cher, ça c'est très grave. Tout ça va prendre fin aujourd'hui. Tout doit prendre fin aujourd'hui. On se parle plus tard, hein? On se parle plus tard, mon ami. Ok, très bien, mon ami. Je me vois comme si j'étais toujours dans un rêve. Honnêtement. Tout doit prendre fin aujourd'hui. À moins que je ne sois pas allé chez Ségou là-bas. À moins que je ne sois pas allé dans sa maison. Maman, à la déo. Oui, c'est seulement ce que je t'ai envoyé par message. Oui, maman. Et dois-je venir à la maison maintenant? J'arrive, maman. J'arrive maintenant. Oui, je l'ai bloqué très bien. Je le fais. Ok. J'arrive, maman. J'arrive. Bella, pourquoi ne portes-tu pas ton sultan spirituel et pour couronner le tout, tu es inquiète. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Hey! Je n'ai pas Pio. Je perds qu'elle me fasse quelque chose de mal. Hey! J'ai trop peur. Qui veut dire? Je dois quitter maintenant. Je dois partir d'ici maintenant. Maintenant. Peu importe comment tu le prendras. Je pars. Aïe. Tu dois partir. Pourquoi? Où veux-tu partir? Tu sais déjà tout, non? Qui veux-tu que je te dise encore? Non. Écoute, tu me vois maintenant là. J'attends juste quelque chose. Une fois que c'est fait, une fois que c'est fini, je dégage. Parce que je sais ce qu'elle est capable de faire. Elle essaiera de me tuer. Je dois partir. Bella. Je suis ton père spirituel, alors calme-toi s'il te plaît. Tu n'as pas du tout à t'inquiéter de quoi que ce soit. Salut bébé. Je suis là. Viens là. Ah, qu'est-ce que tu m'as fait au juste? Réponds-moi. Et où étais-tu parti au juste? Réponds-moi. Parle maintenant. Mais je t'ai rien fait de mal. Tu es en train de me blesser. J'ai blagué. Parle. Oga. Hey. Elle me manque déjà. Je lui ai dit de partir depuis hier. Ha. Oga, puisqu'elle ne va plus être disponible, je crois qu'on devrait trouver quelqu'un pour la remplacer ou... Ce n'est pas facile de la remplacer. Sa mère est une puissante sorcière. Elle est remplie de ses sens et de connexions. Elle m'aide aussi à combattre certains marabouts. Homme de guerre, moi tel que je suis là en tout cas, hein, quelque chose est en train de me dire, ces pouvoirs-là pourront aussi la quitter. Oh. Alors je vais simplement vous demander de relaxer. Ça va aller. Aucune personne ne peut lever la main sur ma fille et s'en sortir comme ça. Maman, Sengo est un démon. Je veux que tu le détruis. Je veux que tu détruises tout ce qui le présente, ses affaires, toutes choses. Il n'y a rien que je demande dans cette rivière sans que je l'obtienne.
Ma fille. Oui, maman. Prends ces cadenas. Ok. Fais un vœu. Verrouille-les et jette-le dans cette rivière. Il n'aura jamais la paix jusqu'à ce que tu reviendras trouver ces cadenas et les déverrouiller. Oui, maman. Vas-y. Zuzuzaga. Tu sais, Johnson, tu sais que la Bible peut souvent être prophétique et drôle en même temps. Peux-tu imaginer que cette fille de basse classe, je veux dire, cette bonne à rien de fille, aille le culot de m'appeler et de me menacer. Elle a eu le culot de me menacer pour que je puisse m'agenouiller devant elle et la supplier. Imagine cette idiote que j'ai ramassée dans les poubelles. Une insignifiante que j'ai ramassée dans les poubelles. Que j'ai lavée et nettoyée moi-même. Et j'ai même investi mon cœur et mon argent dans sa misérable vie. Et tout ce qu'elle a fait pour me payer en retour, c'était aller faire ce cahier bata, c'est n'importe quoi pour m'avoir. Pour me garder en captivité et ruiner ma vie entière. Elle devrait remercier Dieu parce que je ne l'ai pas étranglée de la façon dont je l'avais prévu. Parce que si je l'avais fait, elle n'aurait jamais eu cette opportunité de voir cet homme que tu vois devant toi. Calme-toi. Ketson Ami va te raconter toute l'histoire, tout ce que tu dois savoir. Mais cette fille Nikki, elle est vraiment mauvaise. Elle est maléfique. Est-ce que tu penses qu'elles ont toujours été amies? Parce que tout ce qui s'est passé, c'est vraiment ce que je n'arrive toujours pas à comprendre. Elle a presque tué sa meilleure amie. Elle a presque tué Ketz. Parce que Ketz l'avait déconseillé d'utiliser les histoires qu'elle a utilisées contre toi. Mamma mia! Heureusement que sa photo a été rejetée là où elle avait été envoyée pour te tuer. Mais sinon, elle serait déjà folle en ce moment. Ou déjà dans la tombe, je dois dire. Tu peux imaginer ça un peu. Cette fille est... Elle est vraiment maléfique. Comment a-t-elle pu finir ainsi? Comment? Oh mon Dieu. J'espère que votre fils est hors de la prison. En dehors de la prison, comment? Les cas s'est empiré. Ça s'est empiré. Que veux-tu dire par le cas s'est empiré? Ils disent qu'il va d'abord se sentir bien. Pour qu'elle soit libérée. On ne veut pas les libérer. Parce qu'il a des comportements comme quelqu'un qui est fou. Hein? Imagine. Mon fils est maintenant fou. Et pourtant, il était très bien en Afrique du Sud. Avant de venir te voir. Maintenant, il devient fou. Hey! Rente si Boya Barrage. Le problème, oui, Seigneur. Aïe! Il y a un problème dans ta famille, exact. Ton frère avait juré que ton fils ne réussira jamais. Je n'ai pas de frère. Je suis le seul fils de mes parents. Cela veut dire que ça vient de ta sœur, oui, ta sœur. Tu l'énervais quand vous étiez encore enfant. Elle est encore en colère après toi. Ma sœur était morte avant que mon fils ne naisse. Ce n'est pas ma sœur. Je n'ai plus aucune sœur. Ne me cancazouzoume pas. Ne me cancanzouzoum pas, Onyezi. Es-tu sûr que le garçon en question paya son argent de fouettage au complet? Ha, homme de guerre. Ils avaient tout payé, ils avaient même ajouté un excédent. Ne me cancanzouzoum pas. Oh. Pourquoi alors est-ce que le diable est en train de bloquer toutes ces voies? Homme de Dieu. Absolument partout, tout est bloqué. La façon dont cela vous choque, ça me choque moi aussi. Oh. Je dois cancanzouzoumer son cas de plus près. Pour savoir le problème exactement. Hey. Je dois connaître minutieusement tout ce qui est en train de se passer. Vous comprenez cela? Je suis toujours cet homme de guerre. Wogidi et Boubé. Oku, Yakofanja. Je vais cancazouzoumer son cas de plus près. Je vais cancazouzoumer son cas de plus près. Beaucoup plus près.
Hey. Et maintenant tu es heureuse que mes secrets sont maintenant dévoilés, Kate. Kate, tu dis que tu me préviens? Kate, tu blagues avec qui tu joues? Tu blagues avec qui tu joues, Kate? Tu n'as pas peur de moi, Kate. Tu n'as pas peur de moi, Kate. Je jure devant Dieu, quand tu t'attrapes, si je t'attrape, c'est que je te ferai. Tu vas pas aimer. Moi, Nikki, la première fille de Abalaïke, je finirai avec toi, Kate. Je te donnerai une bonne leçon dans cette ville. Tu verras. Écoute, je ne comprends toujours pas, ok? Le truc, c'est que je devais prendre un petit peu de recul. Je te dis, mon frère, je devais prendre un peu de recul. Mais tu sais, il y a une chose à propos de la vie, c'est que, une fois que tu prends un peu de recul, tu peux revenir pour faire une autre attaque. s'il te plaît, écoute, voilà ce qui va se passer. Je vais juste créditer ton compte, ok? Et Dico va t'envoyer la marchandise cette fois. Ouais. Merci infiniment pour ta compréhension. J'apprécie, mon gars, j'aime ça. Je t'appellerai plus tard. Il faut lui dire ce dont je t'avais parlé autrefois. Très important. Tu sais que c'est pourquoi je dis toujours que tu as une bonne tête sur tes épaules. Comment tu sais que c'est à quoi je pensais? Laisse-moi l'appeler immédiatement. Hey, mon Dieu. Hey, mon frère à moi. Oga Isba, tu ne m'as pas vu? Merika, dépose la nourriture. Le prophète est sorti. Il est allé à la montagne. Les esprits n'arrivent plus à agir pour lui, alors il est allé péder avec eux. Alors dépose la nourriture. Ces esprits commencent à ne plus fonctionner. Non. Ne commence pas ça, oh. Dépose la nourriture et va-t'en. Ne vois-tu pas que je suis en train de lire les livres de Habakkuk? Et je suis à cet endroit où Davida. Cette chose me trouble. Et là, tu me troubles également. Je t'en prie, va-t'en. Ok, laisse-moi les déposer ici, hein. Désolé, laisse-moi les déposer ici. Hein, n'oublie pas de lui dire que cette spéciale nourriture, ça vient de Onuka, hein. Ça vient de moi, oh. C'est spécial ou quoi? Tu vois, c'est tout quoi? J'ai lavé mes deux mains pour préparer ce spécial ou quoi? Alors dis-lui que c'est la nourriture de Luca, oh. Ouka de Luca, hein? Alors... Va-t'en! Ok, c'est Luca qui apporte la nourriture, hein. Oh, Luca. Oh mon Dieu, sérieux, j'en ai vraiment marre de ce travail d'apprenti parce que ça commence vraiment à me taper sur les nerfs. Hey, parole, parti, j'abandonne. Je ne veux plus du tout être un joueur. J'ai vu beaucoup de choses dans cette vie. J'ai vu beaucoup de choses, j'ai même fait des erreurs très fatales, mais Dieu m'a épargné. Tu es une très bonne personne. Une très bonne personne. Ouais. Très bientôt, je vais retourner en Malaisie. Et j'ai besoin de quelqu'un qui prendra soin de mon projet ici. Je t'aime bien. Je t'apprécie énormément. Et je veux t'épouser. Si tu vois que tu ne veux pas rester ici, tu vas juste préparer tes affaires et nous allons aller en Malaisie. Juste te montrer combien je t'aime. Monsieur, tu vois pas qu'ici, c'est un peu trop vite. Pense un peu, on vient juste de se rencontrer. Penses-tu pas qu'on doit avoir un peu du temps pour mieux se connaître tous les deux? Kate. Tu es une très bonne personne. Je n'ai pas besoin d'une éternité pour savoir qui tu es. S'il te plaît, épouse-moi. Épouse-moi et fais de moi l'homme le plus heureux sur Terre. Ok. Donne-moi juste la nuit d'aujourd'hui. Laisse-moi y réfléchir. Je ne vais pas fuir, je reviendrai te répondre. Je suis là, ok? D'accord. Merci. Mm.
Waouh, quelle beauté, Angélique. Mais quelle beauté. Oh, et voilà, celui-ci est venu. J'attendais un homme depuis toute la journée. Mais j'entends te parler, mon ange. Bien, ouvre la portière et laisse-moi entrer. Comment? Juste comme ça? Oui, on n'a pas du temps à perdre, bébé. Oh, waouh, je l'ai. Vas-y, conduis. J'ai hâte. Où allons-nous? N'importe où, bébé. N'importe où. Oh, quelle incarnation de la douceur. Je te le dirai encore. Allons-y. Allons-y. Ah oui. Est-ce que tu vas bien? J'ai senti un peu de malaise ce matin, je ne sais pas. Et là, j'ai tout mon corps qui me dérange. J'ai compté, je suis allée voir mon docteur. Je t'ai conduit dans ces cas. Bébé, non. Tu as une réunion et je ne veux pas que tu manques à cela. Je peux bien aller moi-même. Tu es sûre que ça va aller? Je me sentirai mieux, bébé. Ok. Chérie, dépêche-toi. Tu es sûre que ça va aller? Oui, bébé. Tout ira bien. Ok. Johnson, tu veux dire que je dois venir maintenant? Ok, où ça? À notre endroit habituel? D'accord, aucun problème. J'arrive là tout de suite. J'arrive. Je ne comprends vraiment plus du tout ce qui se passe maintenant. Attends, c'est comme si cette attaque a commencé où? Je pense que tu ferais mieux d'aller voir le révérend père. Par qui Dieu fait des signes et des prodiges, tu vois. Ce n'est pas comme ces gens avec les abracadabra. Le révérend père, c'est quand il s'occupe de ton cas. Tu commences à voir les résultats. Quand allons-nous partir pour la délivrance? Le mardi. Ok. Le mardi à 9h du matin. Okay. On ne fait rien. Il n'y a pas de frais ou de trucs du genre. Tout ce qu'ils nous demandent d'amener, c'est des bougies. Des bougies? Juste ça? Juste des bougies. Mec, donc il y a toujours des vrais hommes des dieux là dehors. Attends jusqu'à mardi. Tu vas voir de toi-même. Incroyable. Ah! Comment est-ce que le paradis peut faire du mal aux hommes? Hey! Tout ça est très bizarre, en tout cas. Homme de guerre. Qu'y a-t-il? Homme de guerre. La femme folle. La folle que vous avez utilisée pour faire le travail de Itiamoyamoya. Elle a enlevé ses chaînes. Es-tu sérieux? Oui, homme de guerre. Et vous savez qu'elle parle beaucoup. Elle va parler de tout ce qui s'est passé. Écoute. Prends cet argent. Trouve quelques garçons, capturez-la, liez-la et emmenez-la jusqu'ici. Dépêche-toi. On a un problème sous nos mains. Écoute, tu sais bien ce qu'on risque, alors pas d'erreur. Je veux que ce soit bien clair. Oui, homme de guerre. Bien, vas-y. Dans ton peloton, nous allons être là. Calme-toi d'abord, ok? Arrête de pleurer, calme-toi. Sois d'ailleurs reconnaissante parce que malgré tout ce qu'il t'est arrivé, tu es encore en vie. Écoute-moi s'il te plaît. T'achèterai notre téléphone. Oublie un peu ce que tu as déjà perdu. Oublie-le s'il te plaît. Tout ira bien. Peux-tu arrêter de pleurer s'il te plaît?
J'ai dit que je te trouverai un nouveau téléphone. Oui, nous sommes au lieu habituel. Ok, tu peux nous rejoindre. Très bien. Seko, peux-tu croire que Nikki a envoyé des bandits pour Kate? Elle lui a envoyé des bandits qui l'ont suivi et qui ont même pris son téléphone. Elle m'a appelé avec le numéro d'une autre personne. Mamma mia! Je veux dire, que peut bien vouloir dire tout ceci, non? Quelqu'un ne peut-il pas faire le bien et recevoir le bien en retour? Pourquoi existe-t-il des gens comme ça? Je veux dire, comment peuvent-ils être remplis d'autant d'amertume? Je veux dire, d'autant de désespoir et de méchanceté? Pourquoi? Quand on est là à faire quelque chose pour eux, ils sont là en train d'être gentils, de sourire et puis... Et tout ça simplement parce qu'ils ont obtenu quelque chose de toi. Et une fois que tu auras tourné le dos, ils te poignardent. Pourquoi? Hey, ne bouge pas. Qui es-tu? Donc tu es une sorcière. Je suis sûr que tu es une puissante sorcière. Mais aujourd'hui, c'est le jour où tu vas mourir. Tu n'es rien d'autre qu'une reine qui détruit des hommes de bon cœur. Donc tu es cette personne. Je m'amusais, non? Ce n'est même pas des blagues. Je ne faisais que plaisanter. Moi, Bona, le fils de Ikolo, le grand médecin, j'utiliserai cet héritage pour en finir avec tes comportements. Essaye de me pardonner. Aujourd'hui, c'est ta fin. Ah! Bonjour, frère Johnson et frère Ego. Ah, bonjour. Le prêtre est là et attend de vous voir. Hey! Ah, madame, le tenu, moi là-haut! Hey! Je suis fini, oh! Hey! Oh, je suis fini, oh! Venez! Venez, oh, je suis fini! Hey! Tout est mal fini, oh! Tout est mal fini! Hey, c'est fini, oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Tu me connais que j'avais trop de pouvoir! J'avais un pouvoir supplémentaire! Je suis fini, oh! Mes secrets ont été dévoilés, oh! Hey, on m'a tué, oh! Je suis fini! Hey! Oh! Oh, je suis fini, oh! Hé, hey, tu as peur de moi, hein? Regarde-moi, oh, regarde comment je suis devenu, oh, regarde. Hé, hey, oh, regarde-moi, je suis fini, oh, hé. Hey. Hé, hey. Oh, ya, 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 hé, oh, ya, ya, ya. À genoux, toi. Sali kata kata sali kata kata sali kata kata sali kata sali kata kata sali kata kata sali kata kata sali kata. Una buna chora ni maga, una buna chora ni maga, sali kata kata sali kata kata sali kata kata sali. Goudé guisé, allez reçois. Ce n'est pas Nikki? Oh, quoi? Allons-y. Oui, on se verra. Ok. J'ai vu de voir ton ami maintenant, Nikki. Nikki est devenue une folle.
Que veux-tu dire par Niki est devenue folle? Oui, je l'ai vu derrière cette école maintenant. Elle vient par ici. Elle est devenue folle, je te dis. Je ne comprends pas. Hey. Quelle Niki dont tu parles? Niki, ta partenaire, ton ami. Hein, mon ami. Ton ami. Oh mon Dieu. Attends. Allons-y voir encore. Non, bébé, retournez là-bas. Si tu veux partir, en tout cas, mets-moi hors de cela. Hey. Tu peux aller toi-même, c'est ton ami. Je ne suis pas ami. Toi! Tu y es fini! Moi, Bona, premier Igodo, tu pensais avoir tué mon père. Tu croyais l'avoir fait, n'est-ce pas? Vous tous avez été chassés de notre village à cause de vos œuvres maléfiques. Et tout ce que vous avez fait, c'est venir ici en ville pour détruire des bons hommes utilisant ta fille. Et je peux t'assurer que le monde connaîtra ceci. Tu ne peux pas faire cela, jamais! Tu ne peux pas faire ça! Ah! Ah! Je suis Bona, le petit-fils de Igodo. J'ai hérité mes pouvoirs de mes ancêtres pour faire le bien. Des gens maléfiques ne feront plus du mal aux gens de bien maintenant. C'est vrai ça? Juste comme ça? Ok, très bien, on se parle plus tard. Sego, devine quoi? Qu'est-ce que tu viens à peine de me dire que ta chérie vient de devenir folle? Je ne comprends pas, mec. Qui est ma chérie? Niki, ta chérie, bien sûr. Elle est devenue folle. Mais tu aurais juste dû dire Niki, non? Ça veut dire quoi, ça, ta chérie, hein? Nous n'avons pas encore conclu notre jeûne de prière, mais voilà qu'elle est déjà devenue folle. Voilà, c'est Sego, ça. Sego, les faits. Sego, les faits. Sego, les faits. Sego, pardonne-moi. Sego, regarde, c'est la clé que j'ai utilisée pour bloquer tes affaires. Alors voilà. Déverrouille-le, déverrouille-le maintenant. Oui, je vais les débloquer, j'espère pour moi. Mon corps est en train de se brûler. Mec, déverrouille ma voiture, s'il te plaît. Dépêche-toi, on va l'emmener. Le fait. Quel que soit l'esprit qui t'empêche de voir ton mari, échoue. Oh, tu seras apprécié. Les tout puissants, les tout puissants, je suis fini. Laisse-toi, tu peux y aller. Je suis fini. Oh. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Toute chose qu'on fait en secret, c'est dévoilé. Exposé par qui? On nous a enregistré. Les tout puissants, je suis enceinte. Oh. Allez, baisse ta voix maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais à l'hôpital avec mon mari. Et les résultats confirment qu'il n'est pas le responsable. Le Tout-Puissant, c'est ton chose qui a fait ça. Laisse c'est ton chose qui a voix, fait ça. S'il te plaît. Hein? Le Tout-Puissant. Ton mari tombe dans l'hôpital. S'il te plaît, viens parler avec mon mari. Que je viens de parler à ton mari? En tant que qui, non? Il t'a emmené à l'hôpital. Et on a dit que je suis le responsable. Le Tout-Puissant, tu sais que tu es le responsable. Chut, la ferme. Arrête de venir me voir à l'église. S'il vous plaît, oh. Depuis que je t'ai connu, ma vie n'a plus été la même. Toute ma vie est allée d'un succès à l'autre. Te connaître, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, Jackson. Kate, veux-tu m'épouser? Épouse-moi et regarde l'homme qui va t'aimer et toutes ses forces pour toute sa vie. Vraiment? Oui. Merci beaucoup. Oh mon Dieu. Merci beaucoup, Jackson. T'inquiète pas, je parlerai ça à mes parents et je te dirai la suite. Et j'appellerai ma famille pour qu'ils viennent te voir. Nous fixerons une date, comme ça vous allez finalement vous rencontrer. Ok. Oh, bébé, merci. Eziba, Il y a un problème. Monsieur, qui est-ce que tu appelles Eziba? Tu ne respectes pas les autorités? Tu ne sais pas que c'est l'assistant de l'homme de guerre que tu parles comme ça, hein? Ok, autorité, il y a un problème. Tu as dit ce qui est vrai, il y a un problème. Au moment où je te parle là maintenant, c'est chaud, actuellement là. Ok, alors tu connais Ben? Ah, Ben, celui qui conduit des grands cars, non?
Celui dont ton gars avait dit qu'il allait faire quelque chose pour lui, qu'il allait avoir une promotion. Dans sa compagnie, là où il travaille, dans sa compagnie de construction. Tu sais, depuis que ton gars l'avait lavé, dans cette eau-là, depuis ce jour-là jusqu'à maintenant, il n'y a que la malchance qui suit cet homme. D'ailleurs, comme je te parle maintenant, il vient d'être envoyé. Le pire dans tout ça, c'est que, hein, le leader des jeunes dans notre village, c'est mon petit frère là-bas-haut. Et comme je te parle maintenant, les jeunes sont en train de venir par ici. Ils viennent pour détruire, brutaliser tout ici. Ça, aucune personne, hein, j'ai dit aucune personne, hein, n'ose toucher le sanctuaire de l'homme de guerre. Est-ce que tu entends ce que je dis? Regardez-le. Ok. Hein, tu te souviens de Olin? Je veux dire, la femme de Owefi. Hein, qui n'a mis au monde que des filles. Dont ton gars avait dit qu'il allait faire quelque chose pour qu'il puisse commencer à avoir des garçons. Qui est arrivé à la conclusion de la prendre et l'emmener à la rivière. Il la lavait toute nue. Au moment où je te parle maintenant, cette femme est à l'hôpital. Les docteurs ont confirmé que le ventre là, si tu vois le ventre de cette femme, il est énorme. Et ils ont dit que le ventre a du poison à l'intérieur. Le mari maintenant se prépare pour venir ici lui aussi. Ça ne te choque pas? Ok, tous ces gens viendront ici et c'est ce qu'ils vont faire quelque chose qui vont vraiment vous faire du mal, vraiment, d'ailleurs vous faire disparaître. Tu connais Dagaman? Hey! Au moment où je te parle maintenant, Dagaman se trouve à la police. On l'a lié aux mains ainsi qu'aux pieds. Et il a confessé et a dit que c'est toi et ton gars qui lui avaient donné des outils qui l'ont aidé à aller voler les gens. Au moment où je te parle là, le gouvernement et tous ces arrivent là. Tu vois, hein? Depuis le début jusqu'à la fin de toutes tes histoires, hein, c'était comme de la musique dans mes oreilles. Donc je chante. Après le créateur de cet univers que nous voyons tous comme ça, mon frère, le prochain dieu, c'est l'homme de guerre. Et après lui, c'est moi, le petit homme de guerre. Tu ne comprendras, va-t'en cet endroit. Tu ne comprendras pas. Écoute, ce dont je te parle maintenant, c'est pas un travail spirituel. Mon gars, va-t'en maintenant. Celui-ci est un combat physique, gros. Les gouvernements, les jeunes et des maris des gens, ils arrivent, gros. Ok. Dis-moi un peu, c'est la vérité, ça. Mais Johnson, tu n'as pas l'air de te marier avant moi, oh. Oh, tu n'as pas l'air de vouloir te marier avant moi, n'est-ce pas? Oh, Doku, hein? Calme-toi. Calme-toi, qu'est-ce qu'il y a? Tonton va aussi venir bientôt, je le sens. Le mien, c'est un mardi, qui sait? Tu peux trouver ta propre femme parmi ses amis. Mais Johnson, là, tu sais, cette vie, elle est vraiment très bizarre. Regarde-moi, qui n'arrêtait pas de me vanter. Je veux dire, levant mes épaules et disant que c'est moi qui serais le premier à me marier. Et j'étais déjà en train d'essayer d'imaginer les genres de mariage classique que je voudrais avoir. Mais voilà, c'est arrivé. Mais voilà que absolument tout s'est tourné, juste comme ça. Mais c'est ça la vie pour toi, mon cher. Eziba, pour ton propre bien, hein, va-t'en d'ici maintenant. Va-t'en d'ici maintenant, parce qu'aujourd'hui, là, ça va chauffer. Arrêtez-vous là! Aïe! Abana! Prophète, monsieur, on vous arrête. Aucun problème, monsieur. Maintenant, avancez! J'ai dit avancez! Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 88 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. On met dans le boulot. 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 Y'a pas chukou, et mes coins li fele. Ni na chukou, non so. Bouine, me bonya kaya do cha malo. On met dans le boulot. 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 Malo, on met dans le boulot. On met dans le boulot. On met dans le
pas le volume.